Let's play football. Re tout le monde. Bon, attendez. J'ai plein de choses à régler, les gars, je pense que vous voyez. J'ai plein de choses à régler avant que le match commence, parce que le match va commencer très très rapidement. Alors, ne m'en voulez pas, mais j'ai pas le choix. Tac. Alors, ça c'est bon. Composition d'équipe, ça on enlève. Bam. RDC, bim bam boum. Côte d'Ivoire, bim bam boum. Multiplex, bam bim boum. Magnifique, n'est-il pas grandiose. L'équipe de droite, ça sera le RD Congo. L'équipe de gauche sera la Côte d'Ivoire. Deux secondes les gars, parce que bon, faut changer tout ça. L'équipe de droite sera le RD Congo. L'équipe de gauche sera la Côte d'Ivoire. Magnifique. Le score de droite sera 0. Le score de gauche, c'est bien 0. Les buteurs, bah, il n'y en a pas. Faut régler ça. Le score, le match, va, c'est effrayant. Bon, après, il y a eu des pénalties avant, les gars. Donc, ceci explique cela. Il y a eu la séance de tir au but. Ça, c'est bon. On enlève le carton rouge. Les stats, on les mettra après. Il nous manque le radar à changer. Le radar. Tac. Et le compteur de like. Et on est bon. Il nous manque que ça. Il nous manque que ça et on est good. Que ça et on est good. N'oubliez pas de liker les gars, tant qu'à faire. Tant qu'à faire les mecs. Comme ça on sera bon. Hop. Et hop, et voilà, en mode magnifique. Voilà, je crois qu'on est bon, j'ai rien oublié. Ah si, il y a à bouger ça du coup. Ouais. Il faut juste que je bouge les deux noms des équipes. Et c'est carré. Juste ça et on est bon. Voilà, ça nickel. Et ça là-bas nickel. Voilà, parfait. Voilà, là on est bon. Bon, les mecs, le gros choc entre la Côte d'Ivoire et entre l'ARD Congo qui nous attend. Gros choc entre les deux équipes. Ça va être un bon match entre les deux équipes. Le drapeau, c'est bon là du coup. Ça va être un bon match entre les deux équipes, entre les deux nations. Ça va être un match hyper important, hyper agréable. Les codes que j'ai pas changé, bien vu. Alors attendez, il nous manque ce petit détail. 2-15-3-4. 2-15-3-4. Hop. Voilà, nickel. Voilà, comme ça c'est bon. Bon, voilà. On est prêt pour ce gros choc entre la Côte d'Ivoire et l'ARD Congo. Ça va être un match très important. Un match qui va être très compliqué. Et déjà, il manque un abonné pour les 1 085 000 abonnés. Vous êtes en train de tout casser. Match très important. On aura l'œil sur le match du PSG. Donc pas de panique les gars, je vous tiendrai au courant. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du PSG, le PSG ça passe sur France 3. Donc en soi, pas de soucis. Les stats, il n'y a pas de soucis les gars, parce que le match n'a pas commencé. Les gars, par contre, vu qu'on n'a pas énormément de temps et que le match va commencer entre la Côte d'Ivoire et le Congo, je tiens juste à passer un message de soutien au Congo et aux Congolais, au pays et au peuple congolais, pour ce génocide qu'ils subissent également depuis très longtemps et où le silence est d'ordre, où personne ne prend la parole. Je tiens à souhaiter, enfin à parler de ça et à voilà, à souhaiter fort, à donner de la force et tout mon soutien au peuple congolais et au pays. C'est depuis trop longtemps que ça dure et les choses doivent changer. C'est clairement un génocide les gars, ce qui est en train de se passer au Congo. Les images qu'on a vues sont atroces. Donc voilà, une grosse pensée au Congo. Aujourd'hui, ça sera plus que du football, parce que les joueurs vont jouer avec un brassard noir. Ça sera plus que du football aujourd'hui. Mais en tout cas les gars, gros soutien au peuple congolais, aux frères congolais. Et voilà, c'est important d'en parler quand même. Il y a des dingueries qui sont en train de se passer au Congo et c'est important d'en parler. C'est important. En tout cas, le coup d'envoi est donné dans ce match. Il faut déjà se mettre dans le bain les gars. Et ça va être inquiétant, parce que là c'est les joueurs ivoiriens qui ont la balle. Ballon piqué, récupération des joueurs congolais devant leur surface de réparation. Récupération ivoirienne, ça repart à gauche du rond central et ça va être récupéré par la défense avec Ndika. Allez, Ndika balle au pied, il garde bien la balle.
Allez, Ndjika, la passe latérale pour Ekarte avec Boli. Allez, Boli devant sa surface de réparation. Il garde le ballon tranquillement. La passe de Boli pour Ekarte avec Ndjika à gauche du rond central. Allez, Ndjika pour Ekarte à droite du rond central avec Boli qui reprend. Allez, Boli. Yanis, ton pronom, moi j'ai dit, je vois la Côte d'Ivoire champion d'Afrique. Donc je l'avais dit avant la CAN. Allez, dégagement. Et ça va être récupéré de nouveau par les joueurs. Par les joueurs congolais et par le gardien. Le temps il s'est mis, hein, c'est bon. Et pour PSG Brest, ne vous inquiétez pas, je tiens au courant. On a l'œil sur ce match parce que c'est le dernier match de la CAN que je commande sur ma chaîne. Je le répète les gars, le match pour la 3ème place, je le commande pas, il y a PSG Lille. Et la finale, je la commande sur la chaîne YouTube de Winamax, c'est comme la mienne mais c'est Winamax, avec Mohamed Denis. Donc la finale, je la commenterai sur Winamax avec Moumini. Les stats, je les mets. Allez, le jeu repart, en tout cas dégagement pour la RDC. C'est récupéré par les joueurs. Il voit rien à gauche au milieu de terrain. Allez, le crochet c'est bien fait, il garde la balle avec Fofana. Allez, Fofana pour Ekarte à gauche au 40 mètres. Le contrôle est bon, ça peut avancer encore une fois latéralement. Le crochet entre deux joueurs, il garde bien la balle, Sangaré. Le crochet de Sangaré, ça repart avec Seri. Allez, Seri, balle au pied. La passe de Seri pour Ekarte à droite du rond central, c'est bien donné avec Boli. La passe de Boli pour Ekarte à droite au milieu de terrain. La bonne récupération de Singo. Allez, Singo toujours, il garde le ballon. La passe de Singo en retrait, c'est récupéré de nouveau à droite du rond central avec Boli. Allez, Boli toujours. La passe de Boli latérale, ça revient avec Ndjika à gauche du rond central. La passe d'Ndjika pour Ekarte à gauche au milieu de terrain. Ça repart à gauche au 40 mètres, l'ouverture est belle. Le contrôle est bon également. Allez, le crochet, ils arrivent à conserver la balle. Ça repart avec Fofana devant le rond central. La passe en retrait de Fofana, la bonne récupération. Allez, ça repart derrière avec ce ballon qui est récupéré par Ndjika. Allez, Ndjika, le dégagement loin devant. Récupération de la tête pour les joueurs de la RDC. Et c'est récupéré de nouveau dans le rond central avec Kessié. La tête de Kessié s'est repris de nouveau sur le côté par Wissa. La passe de Wissa dans le rond central. Ballon piqué pour Ekarte à gauche de la surface. Et lancé Pickle en profondeur, mais ça va être trop long pour Pickle. Et c'est une touche pour la Côte d'Ivoire devant leur surface de réparation. La touche ivoirienne. C'est qui a gagné entre le Nigeria et l'Afrique du Sud? Nigeria au tir au but. Le Nigeria au tir au but. C'était un match dingue. Un match dingue. Mais ça s'est joué au tir au but. Et le Nigeria est passé au tir au but. Ils ont éliminé l'Afrique du Sud qui jouera donc la petite finale. Allez, tous jouer pour les joueurs ivoiriens. Allez, ça repart à droite du rond central. C'est récupéré de nouveau avec un ballon vers l'avant. C'est mal donné. Récupération des Congolais dans leur moitié de terrain. La passe à droite du rond central. Ça repart derrière avec ce ballon qui est récupéré avec Mbemba. Allez, Mbemba qui repart latéralement avec Inonga. La passe d'Inonga latérale. Ça revient à gauche du rond central. C'est bien récupéré par Gaël Kakuta. Allez, Kakuta qui peut avancer. Kakuta côté gauche au 40 mètres. Ballon piqué de Kakuta devant la surface vers Bakambu. Ça va être dévié de la tête. Et ça va être récupéré de nouveau pour les Ivoiriens à gauche du rond central. Il arrive à écarter latéralement, c'est mal donné. Récupération encore des joueurs congolais. À droite au 30 mètres, mais il y a faute et coup franc pour la Côte d'Ivoire. À gauche du rond central. Coup franc récupéré. Exceptionnellement, Ouari, non. Le match du PSG est sur France 3, ma biche. Donc exceptionnellement, là, non, mais j'ai le match du PSG sous les yeux. Là, on voit Mbappé dans le couloir. Là. J'ai le match, t'inquiète pas. Donc je tiendrai au courant sur ce qui se passe pour le PSG, pas de panique. Mais c'est juste que là, c'est le dernier match de la CAN que je peux commenter sur ma chaîne. Ouais, je peux mettre les buts du PSG en story si tu veux, Rémi, ça passe sur France 3. Hein. Allez, le jeu repart et ça va être récupéré de nouveau à droite du rond central. Allez, il y a une nouvelle faute, et nouveau coup franc pour la Côte d'Ivoire à gauche du rond central. Nouveau coup franc pour la Côte d'Ivoire qui va être joué. Il y a faute sur Fofana. Il y a faute sur Fofana qui a mal dans le dos. Ah, il a pris un coup dans le dos, le bon vieux Fofana. La semelle en plus de Pickle. La semelle de Pickle. On voit tout le monde. Hein. Là, va falloir éteindre Brest, hein, pour le PSG. Pickle qui est en train d'être appelé à l'ordre par l'arbitre. Hein. Il est en train d'être appelé à l'ordre, là, à l'heure où on parle. Allez, il vient faire une petite accolade avec Fofana. En plus, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, pas de haine entre Congolais et Ivoiriens. On a vu une vidéo d'Aurier qui a dit bonne chance aux Congolais. Il n'y a pas de haine entre nous. Bonne chance à vous. Et soutien pour ce qui se passe au pays. Allez, ça repart en tout cas pour la Côte d'Ivoire à droite de la surface pour Singo. Le crochet il passe pas et ça va être une touche pour la Côte d'Ivoire. Allez, touche ivoirienne. Allez, touche jouée. Ça va être dévié, non même pas. Et ça sort en 6 mètres pour la RDC. Ils vont pouvoir se dégager, la RDC. Les gars, pour Paris, j'aurais peut-être, on va dire, un petit 10 secondes de décalage. Je regarde sur l'ordi là. J'aurais peut-être un petit 10 secondes de décalage. Mais pas de panique, j'ai tout sous les yeux. On voit l'entrée des Parisiens et des Brestois. Allez, le dégagement va être joué. Allez, c'est joué ce dégagement, c'est récupéré pour la Côte d'Ivoire et c'est repris pour le gardien. La bonne récupération tranquillement du gardien ivoirien
Allez, ça va se relancer comme ils peuvent et ça revient à droite du rond central. La bonne poussée de balle. Allez, ils conservent le ballon, ils vont écarter à droite au milieu de terrain avec Gradel qui reprend. Allez, Gradel balle au pied, Gradel à droite au 25 mètres. Gradel qui va pouvoir centrer à terre mais c'est récupéré par la défense avec Inonga. Long dégagement d'Inonga pour le Congo. C'est récupéré à droite du rond central pour la Côte d'Ivoire, déviation de la tête. La petite chandelle, le sombrero qui est fait. Ça repart à droite au milieu de terrain avec Singo qui reprend. Allez, Singo qui repart derrière, c'est bien récupéré de nouveau par Seri. Allez, Seri balle au pied qui peut avancer. Seri toujours, il garde bien la balle. Seri à gauche du rond central. La passe de Seri, ça va revenir à gauche au milieu de terrain. Le ballon piqué pour écarter à gauche de la surface. L'ouverture est belle et ça va être récupéré à gauche de la surface congolaise. Le crochet d'Adingra, il passe pas et ça va être une touche pour la Côte d'Ivoire devant la surface congolaise côté droit. Allez, la touche récupérée par Adingra. La touche qui va être jouée. Belle compo parisienne par contre. On voit la compo du PSG là, la compo est grave. La compo est grave. Enfin, mis à part Ruiz, mais sinon tout le reste c'est grave. Allez, la touche est jouée. Allez, le crochet encore d'Adingra, il va centrer. Ça a raté le ballon, mais c'est récupéré. Et ça repart devant leur surface avec Wissa pour les RDC. Allez, Wissa qui peut avancer. Wissa, le grand pont, il est passé. Il va écarter à droite du rond central. Ça va écarter à droite de la surface maintenant. Avec Bakombou qui reprend. Bakombou balle au pied. La passe dans la surface, elle va être déviée. Corner pour les RDC. Corner pour les RDC. La RDC, ça va très vite. La RDC va très très vite vers l'avant. La RDC va très très vite vers l'avant, mais très très vite vers l'avant. Ah, ça va très vite, hein. Ça va vraiment vraiment très vite pour le coup. Allez, le corner qui va être joué. Le corner qui va être joué. Encore une fois, RDC très bon. C'est l'une des équipes qui a fait, pour moi, meilleure impression depuis le début de la CAN. Clairement. Très clairement. Allez, le corner qui va être frappé. Le corner. Paris, ça commence à 21h10, hein. C'est normal les gars, ça commence dans 3 minutes. Ouais, chacun s'intéresse à ce qu'il veut, Mustapha. Moi, je m'y intéresse à Paris. Forcément, c'est mon club. Donc, forcément, j'aurai quand même l'œil dessus. Allez, le corner qui va être joué. Le corner qui va être joué. Mais je commande plus ce match-là parce que le PSG est sur France 3. Donc, ça va. Mais après, c'est le dernier match que je vais commenter de la CAN sur ma chaîne aussi. Donc, important. Allez, le corner qui va être joué. Le corner. Ah oui, les stats, pardon. J'ai oublié de vous mettre les stats carrément. Le corner va être joué. Mais l'arbitre est en train de rappeler les joueurs à l'ordre parce que ça se bouscule dans la surface. Ça se bouscule dans la surface. Alors attendez, je vous mets les stats tout de suite. Hop, nickel. Allez, corner joué. Ça va être dévié, nouveau corner. Nouveau corner pour la RDC. Allez, nouveau corner pour la RDC. C'était un corner rentrant, hein, à l'heure qui a été sauveur les gars. À l'heure qui a été sauveur parce que c'était rentrant. Et il me semble bien qu'à l'heure l'enlève, hein. Il me semble. Allez, le corner qui est frappé, encore rentrant. C'est relâché par le gardien. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour la RDC. Oh, attendez. L'arbitre arrête le jeu. L'ouverture du score pour la RDC. Fofana avait capté la balle, mais il l'a relâché. Alors, est-ce que c'est sur un coup de pied qu'il relâche la balle? Ah non, il la relâche tout seul, hein. Le but va être valable. Le but va être valable, les gars. Le but va être valable, les gars. La RDC va ouvrir le score, hein. Ah, quoique. Ah non, après, quand il la reprend, c'est quand il la reprend. C'est quand il la reprend, il a une frappe, ok. Après, ça lui frappe dans les mains. Après, ça lui frappe dans les mains. Ok, ok. Ok, ok. Ok, je vous ai mis sur Insta ce qui s'est passé, les gars. Mais, ouais, je pense que ça va être refusé. Je pense que ça va être refusé. Mais là, le gardien Fofana, là... Ouais, compliqué. Complexe. Et le but est bien refusé, les gars. Le but est refusé. Le but est refusé pour une faute. But refusé. Allez, ça repart maintenant pour la Côte d'Ivoire. À droite au milieu de terrain. La passe en retrait des Ivoiriens. Ça va être récupéré dans leur surface avec Fofana, le gardien. Allez, Fofana, balle au pied. Merci Nasro, mon frère. Hein, t'es un crack. T'es un crack. Allez, ça repart à gauche du rond central. Le ballon piqué pour repartir aux 25 mètres dans l'axe. La déviation, encore récupération. À droite du rond central pour les joueurs de la RDC. Allez, ça repart à droite au milieu de terrain. La bonne récupération encore avec Kalulu. La passe de Kalulu devant sa surface est bien donnée. Allez, ils arrivent à conserver la balle avec Mbemba. Allez, Mbemba balle au pied. Il garde la balle. Mbemba devant sa surface. Il repart derrière avec Passy. Allez, Passy qui garde le ballon tranquillement. Contrôle un peu raté, mais il arrive à récupérer la balle sans problème devant à l'heure. Ça repart latéralement avec Inonga. La passe Inonga pour Masuaku. La passe de Masuaku. Coup est dévié, touche. Non, le ballon sort pas. Si, ça sort 6 mètres même. 6 mètres et coup d'envoi au PSG, ouais. 6 mètres. Le 6 mètres pour la RDC. Bon pressing de Gradel. Bon pressing de Gradel. Allez, et là, c'est parti. Hein, entre Paris et Brest, j'ai le match sous les yeux. Pas de panique, je tiens au courant. Déjà, une mauvaise passe brestoise, touche pour Paris.
Allez, dégagement joué pour la RDC. Allez, ça va être récupéré devant leur surface de réparation pour la Côte d'Ivoire. La passe latérale, c'est récupéré de nouveau à gauche au milieu de terrain pour la RDC. Ça peut avancer encore une fois avec un Kakuta qui se fait bousculer. C'est Wissa qui se fait bousculer. Et il y a coup franc à gauche aux 40 mètres. Le coup franc à gauche aux 40 mètres qui va être joué. Ah, le coup franc, faute de Fofana et donc coup franc tranquillement à suivre. Allez, on va voir ce que ça va donner. Allez, le coup franc va être joué tranquillement. Ils prennent leur temps. Fofana se fait rappeler à l'ordre un petit peu pour l'instant. Allez, le coup franc va être joué côté gauche. Ça prend le temps de le faire. Regardez, parce qu'il y a déjà un coup à jouer pour Brest. Ballon dévié, misère. Corner pour Brest. Misère. Allez, coup franc joué pour la RDC. C'est récupéré pour la Côte d'Ivoire. La bonne récupération à gauche au milieu de terrain. Allez, le crochet, ils arrivent à conserver la balle côté gauche avec Adjingra. La passe d'Adjingra en retrait. La bonne récupération au corps de la défense ivoirienne. Allez, il garde la balle, ça repart à gauche du rond central. La passe latérale pour Ekerta à droite du rond central maintenant. C'est bien récupéré par Boli. Allez, Boli, balle au pied. La passe de Boli pour Ekerta à droite aux 40 mètres avec Pepe qui reprend. Allez, Pepe, ça revient encore avec Singo. Le ballon piqué de Singo pour Ekerta encore avec Gradel. Le ballon va être dévié, mais c'est récupéré pour la RDC. À gauche de leur surface, long dégagement pour la RDC, c'est récupéré à gauche au milieu de terrain, et il y a faute, coup franc pour la RDC dans leur moitié de terrain. Le coup franc pour la RDC. Oh, ça va, le corner, il est dégagé par Paris, tranquille. Allez, le coup franc va être joué. Monte ton trophée du million. Tiens. Le voilà. Allez, ils prennent leur temps, hein, la RDC. Pour jouer le coup franc. Merci à tous, les gars, encore une fois. Hein. Merci à tous. Hein. C'est grâce à vous. Allez, le dégagement est joué loin devant pour la RDC. Déviation de la tête et c'est récupéré à droite de la surface. Ça se fait tacler par derrière et il y a faute. Non, il y a corner. Le corner bien récupéré pour la RDC, pardon. Très bon travail d'Elia, c'est Elia qui accélère devant Konan sur le côté. Il a réussi à le battre en vitesse. Allez, bien joué. Le corner qui va être joué, il y a encore un corner pour Brest aussi côté Paris. Ah, ça va, c'est repoussé. Allez, corner congolais, pourquoi tu me réponds jamais, Chichir? Je t'ai déjà répondu et cette question elle a aucun sens. Allez, on est en train de se faire soulever Paris là par contre, hein, vraiment. Encore un corner pour Brest. Allez, corner qui va être joué. Et par contre, à chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu entre la RDC et la Côte d'Ivoire, il y a un arrêt de jeu de 30 ans. L'arrêt de jeu est très très long. À chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu, de toute façon. À chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu, c'est long. L'arbitre qui est en train de parler avec les joueurs dans la surface. Pour l'instant. Trois corners pour Brest, ouais, c'est effrayant. Tu vois les deux matchs? Ouais, j'ai les deux matchs sur les yeux. Allez. L'arbitre est encore en train de parler avec Pickle. Hein. L'arbitre, il est inquiétant. C'est trop comment il parle. Allez, ça y est, le corner va enfin être joué pour la RDC. Allez, ça s'est lancé, frappé, rentré encore, mais c'est repoussé de la tête sans aucun problème. Et ça va être une touche pour la RDC à droite aux 30 mètres. Allez, la touche pour la RDC qui va être jouée. La touche pour la RDC qui va être jouée tranquillement à droite aux 40 mètres. Allez, ils vont prendre leur temps. Et c'est Kalulu qui va s'en charger. Kalulu. Allez, il va jouer cette touche. Allez. Le corner, enfin la touche est jouée. Ça va être centré au premier poteau. C'est repoussé pour la Côte d'Ivoire. Ça va être récupéré à droite de leur surface maintenant. Allez, le ballon qui est bien récupéré encore une fois. Allez, bonne récupération à droite du rond central. Enlève Paris, de quoi. De quoi vous me parlez, les gars? On ne t'entend pas. Coupe-le. Ah bah oui, je suis bête, moi. Ah, je suis bête, pardon, les gars, pardon. Excusez-moi, c'est bon. C'est bon, je viens de capter ce qui se passait, Excusez-moi, les gars. C'est bon, excusez-moi les gars, je viens de capter. Allez, le jeu repart. C'est bon, excusez-moi les gars, ouais, excusez-moi, j'avais pas capté.
Allez, le dégagement qui va être joué. La relance, ça réclame déjà un carton. Mbemba réclame déjà un carton, mais à chaque arrêt de jeu, c'est très très lent. Chaque arrêt de jeu, c'est très très lent. En tout cas, va y avoir un corner pour la Côte d'Ivoire. Le corner pour la Côte d'Ivoire qui va être joué. Allez, le corner. Allez, les frapper ce corner. Prend point de pénalty. C'est bon que c'est, mais ça revient dans la surface. La frappe, elle va être déviée. Récupération ivoirienne, mais il y a faute. Il y a faute et il y a coup franc pour la RDC. Le coup franc pour la RDC qui va être joué. Le coup franc pour la RDC. Les gars, c'est réglé le son, c'est bon. C'est réglé le son, non? Sur TikTok, hein, je parle. Allez, le dégagement. Tu regardes dans quel sens? Dans quel sens, c'est-à-dire? J'ai pas compris de quoi tu me parles. Allez, le dégagement. Le dégagement qui va être joué pour le Congo. Et encore une fois, énormément d'arrêts. Enfin, énormément. Je sais pas pourquoi c'est aussi long l'arrêt. Je sais pas pourquoi c'est aussi long. Allez, le dégagement va repartir. Allez, c'est récupéré. Et c'est repris de nouveau par les joueurs de ivoiriens. Et ça va sortir en touche. La touche à droite aux 40 mètres. Ah, de rien les gars. De rien sur TikTok. Allez, touche qui est jouée. Singo récupère. Allez, Singo balle au pied. Ça repart derrière. La bonne récupération encore dans leur surface de réparation. Allez, c'est bien donné. Ça repart avec Ndika. La passe d'Ndika latérale. Ça revient sur Conan. La passe de Conan pour Kerta à gauche au milieu de terrain. Allez, c'est bien fait. Ça repart derrière dans leur surface avec Ndika. Allez, Ndika balle au pied. La passe latérale d'Ndika pour Kerta avec Boli devant sa surface. Allez, Boli balle au pied qui avance. Allez, Boli toujours. La passe de Boli Barcola, pas loin de marquer de la tête. Allez, Boli pour Kerta avec Singo à droite aux 40 mètres. Allez, Singo toujours. Il va pouvoir centrer. Au deuxième poteau. La tête. Et elle va passer juste à côté. Cette tête d'Adjingra, l'énorme occasion. L'énorme occasion, la tête d'Adjingra passe à côté. Comme la tête de Barcola qui passe au-dessus pour le PSG. Allez, ça va se relancer. Ça va se relancer, 6 mètres pour la RDC. Pour l'instant, les gars, le match commence bien. Le match commence bien pour la Côte d'Ivoire. La RDC, ça part très très vite dans le dos aussi. Mais j'ai envie de dire légère domination ivoirienne. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour l'instant, légère domination ivoirienne. Sacré Alice, tu nous fais rire, on dirait que tu vas rentrer dans la télé. Ah, après, j'ai deux matchs sous les yeux en même temps. C'est normal. Allez, le jeu va pouvoir repartir. La relance pour le Congo, ça repart devant leur surface de réparation avec Inunga. Allez, Inunga, il repart derrière avec ce ballon qui est récupéré par Mpassi. Allez, Mpassi, balle au pied. Il garde bien la balle, Mpassi. Il va revenir de nouveau avec Inunga devant sa surface. Inunga toujours. La passe latérale d'Inunga pour écarter à droite du rond central. C'est bien donné. Allez, ça va être écarté à droite au milieu de terrain. La bonne récupération encore. Ils arrivent à conserver la balle. Allez, ça va écarter à droite au milieu de terrain. Mais le ballon va être récupéré de nouveau par les joueurs ivoiriens à gauche du rond central. Allez, il garde bien la balle. La passe pour Ekerta à gauche du rond central maintenant. Ça va être récupéré de nouveau dans le rond central pour les joueurs congolais. Allez, la passe vers l'avant devant le rond central. Ça se retourne, ça va être dévié. C'est récupéré de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Ça va écarter à gauche au milieu de terrain. Le ballon va être dévié. Ça va être une nouvelle touche. Nouvelle touche à gauche au milieu de terrain. Nouvelle touche à gauche au milieu de terrain qui va être jouée pour la Côte d'Ivoire. Je fais ce que je peux, mes galions. Tu me dis, tu lis jamais mes messages, mais je commente. On est 15 000 et je commente, frérot. Pas facile. Pas facile. Allez, la touche qui va être jouée. Pour la Côte d'Ivoire. Salut de chez PA, je sais pas c'est qui PA, je sais pas tu me parles de quoi. Merci à toi Lorenzo pour le don de 2,80$, merci beaucoup. Merci beaucoup, je sais pas c'est quoi PA mais merci beaucoup. Merci beaucoup mon frérot Lorenzo. Allez, le jeu va repartir. Et le jeu repart pour le Congo encore, il y a un coup à jouer en entrée de surface. La frappe tentée de loin mais ça va être capté par le gardien. Frappe un petit peu trop molle de Gaël Kakuta. Frappe un petit peu trop molle de Gaël Kakuta. Frappe un petit peu trop molle. Et ça va être dégagement. Il y a un super coup franc pour Paris là par contre. Ouais, il y a 0-0 sur les deux matchs. Mais là, il y a un super coup franc pour Paris entrée de surface. Allez, il y a Hakimi ou Dembélé pour le frapper. On va regarder dès qu'il va être frappé. Allez, ça repart côté ivoirien pour l'instant à gauche du rond central. Allez, le ballon piqué pour Ekerta à droite au milieu de terrain. L'ouverture va être un peu trop longue, mais c'est récupéré. Mais ça sort en touche. La touche pour la RDC devant leur surface côté gauche. Le contrôle a été compliqué. Il était compliqué pour Gradel. Il était compliqué pour Gradel. Ouais. Un petit peu compliqué, il a fait ce qu'il a pu, mais le ballon sort, il peut pas l'empêcher. Allez, touche pour la RDC, on va regarder le coup franc parisien pendant ce temps-là. Avant que le jeu reparte, on va regarder rapidement le coup franc parisien. L'arbitre a sifflé, c'est Dembélé qui va s'élancer. Non, c'est Hakimi, c'est direct à la terre et c'est dévié. Ça revient sur Fabian qui va frapper, c'est encore dévié. Et c'est capté par le gardien brestois. Et là, le jeu est toujours arrêté côté RDC, Côte d'Ivoire.
Le jeu est toujours arrêté pour l'instant. Allez, ça y est, ça repart, tout joué. Ça repart à gauche au milieu de terrain. La récupération de Masuaku. Allez, Masuaku, ça repart à gauche du rond central. La bonne récupération d'Inonga. Allez, Inonga toujours. La passe d'Inonga, il va repartir derrière. C'est récupéré devant sa surface. Avec le gardien Mpassi. Allez, Mpassi qui va écarter à droite du rond central. Ça va écarter à droite au milieu de terrain. La bonne récupération à droite au 40 mètres. La passe pour écarter à droite de la surface. L'ouverture est trop longue. Et ça va sortir. Allez, ça va sortir. Ça va sortir en 6 mètres. Et ça va être un 6 mètres pour la Côte d'Ivoire. On sent que les deux équipes ont peur de se faire mal en fait. Dans le sens où ça monte vraiment. Tu regardes le chat dans quelle direction celle-là. Ça monte vraiment vers l'avant. Enfin, ça, les deux équipes savent qu'elles peuvent se faire très très mal dans le dos. Ça va très vite devant pour les deux équipes. Il y a de la qualité. Les deux équipes ont peur là pour l'instant. Les deux équipes ont peur. J'ai trois écrans frérot. Allez, touche, fin. Dégagement joué pour la Côte d'Ivoire. Le ballon sort en touche pour la RDC à gauche au milieu de terrain. Allez, touche pour la RDC qui va être jouée. Le match est serré pour l'instant. Allez, la touche qui va être jouée tranquillement. Ils prennent leur temps. Allez, c'est joué. Ça repart derrière avec Inonga. Allez, Inonga, balle au pied. Inonga toujours qui peut avancer. Le ballon piqué d'Inonga. Paris pour la marquer meilleur jeu. Allez, c'est dégagé par les joueurs de la RDC. Allez, ça repart à droite au 30 mètres. C'est récupéré pour la Côte d'Ivoire devant leur surface. Allez, bonne récupération. Allez, ça va être récupéré devant leur surface encore. La bonne récupération, plein axe. La passe latérale. Les gars, ceux qui ne comprennent pas pour Paris, onglet communauté avant-dernier. Avant-dernier onglet communauté, vous allez mieux comprendre. Allez, ça repart, récupération encore pour le Congo. Mais il y a faute et coup franc pour la Côte d'Ivoire dans leur moitié de terrain, plein axe. Le coup franc pour les Ivoiriens qui va être joué. Le coup franc pour les Ivoiriens. Tu penses que ça va aller aux prolongations? Mais moi, j'avais dit prolongation. J'avais dit prolongation. Après, j'ai quand même un doute. Tout peut se passer là. Allez, le jeu va repartir. Le coup franc est joué, c'est récupéré. Les gars, le match du PSG passe sur France 3, je le rappelle. Allez, ça revient à gauche du rond central. Le ballon qui est récupéré par les joueurs congolais dans leur moitié de terrain côté droit. La talonnade. Allez, ça va être dévié. Ça va ressortir en touche. Nouvelle touche pour la RDC devant leur surface côté droit. Allez, il y a beaucoup, beaucoup. Par contre, les récupérations, c'est une dinguerie. Il y a un gros, gros, gros travail sur les récupérations, que ça soit ivoirienne, que ça soit congolaise. Il y a un gros travail sur les récupérations. Allez, touche jouée. La touche jouée, ça va être dévié. Ça va être une nouvelle touche. Nouvelle touche à droite au milieu de terrain. Allez, nouvelle touche qui va être jouée pour la RDC. Ballon dévié par Fofana. Allez, ils vont prendre leur temps. C'est joué, ça repart derrière à droite de leur surface de réparation. La bonne récupération de Kalulu. Allez, Kalulu avec Mbemba. Allez, Mbemba dans sa moitié de terrain, plein axe. Mbemba, la passe latérale, c'est bien donné. Ça va revenir à gauche du rond central. La passe latérale pour écarter à gauche au milieu de terrain avec Moussiala. Avec Masuaku. Ça repart à gauche de la surface avec Wissa. Wissa en 1 contre 1 à gauche de la surface ivoirienne. Il arrive à conserver la balle. Wissa devant Singo. La passe en retrait au 25 mètres. Centre de Masuaku sans contrôle. Le contrôle au point de pénalty. La retournée. Elle va être déviée de Bakambu et c'est récupéré à droite de la surface. Et il y a corner. Le corner qui va être joué. Il y a eu corner Bresto aussi qui n'a pas été dangereux là. Le corner pour la RDC. Le corner pour la RDC qui va être joué tranquillement. Mi-temps de Nice mène 3-0. Bravo à vous les Niçois. Allez, le corner qui va être joué. L'occasion encore pour la RDC. La RDC reprend l'ascendant. La RDC reprend l'ascendant. Clairement. Ils reprennent vraiment l'ascendant pour l'instant. Allez, le coup franc, enfin le corner qui va être frappé. Le corner qui va être frappé tranquillement. L'occasion pour la RDC d'ouvrir le score, pourquoi pas à la 24e minute. Allez, le corner, il est frappé, rentre encore. C'est boxé par le gardien, par Fofana. C'est dégagé comme ils peuvent pour la Côte d'Ivoire. Et ça va être dégagé en deux temps. Et ça va sortir en touche à droite aux 30 mètres pour la RDC. Allez, touche pour la RDC qui va être joué. Mbappé, il est en jambe, un bordel avec Paris là. Mbappé est en jambe. Allez, touche qui va être joué. On a passé une belle canne ensemble, ouais, magnifique. Je rappelle les gars, c'est le dernier match que je commande sur ma chaîne. Allez, touche jouée, c'est récupéré pour la Côte d'Ivoire. La finale, je la commande sur la chaîne YouTube de Winamax avec Mohamed Denis. Donc on sera sur la chaîne YouTube de Winamax. N'oubliez pas, je serai pas sur ma chaîne, mais je la commenterai. Mais la petite finale, je la commande pas, je commenterai PSG Lille. Comme ça, vous savez. Donc c'est le dernier match que je commande sur ma chaîne de la CAN. La finale, je la fais sur Winamax, la chaîne YouTube de Winamax avec Mouin. Allez, ballon piqué, ça repart pour la Côte d'Ivoire vers Allure. Le ballon va être dévié, mais Allure récupère dans l'axe 25 mètres. Allez, Allure pour la Côte d'Ivoire. Il va écarter à droite de la surface, c'est bien donné. C'est récupéré encore avec la prise de balle de Gradel. Les passements de jambes dans la surface, le crochet de Gradel, ballon dévié. Et ça sort en 6 mètres, il l'a retouché. Très bonne défense de Masuaku. Très bonne défense de Masuaku et ça va être 6 mètres.
Allez, 6 mètres pour la RDC. Les gars, d'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, hein, mais cette demi-finale, c'est un remake de la demi-finale de 2015, quand la Côte d'Ivoire remporte la CAN. La Côte d'Ivoire affronte la RDC en demi-finale. La Côte d'Ivoire affronte la RDC en demi-finale. Et la Côte d'Ivoire s'impose 3-1. La Côte d'Ivoire s'impose 3-1, les gars. Et la Côte d'Ivoire avait remporté la CAN finalement en finale contre le Ghana. Allez, le jeu repart. Le jeu repart. Allez, ça va revenir encore une fois à gauche au milieu de terrain pour les joueurs de la RDC. Ça revient sur Wissa à gauche au milieu de terrain. Allez, Wissa qui va écarter à gauche du rond central. La passe en retrait, c'est bien récupéré. Ça va revenir de nouveau à droite du rond central avec Mbemba. Allez, Mbemba, balle au pied. Allez, Mbemba, il va écarter à droite aux 40 mètres. La passe latérale, ça va revenir de nouveau à droite au milieu de terrain. Il garde bien la balle, la passe à droite du rond central. Ça va écarter à droite aux 40 mètres. La bonne récupération pour la RDC, ça repart derrière à droite du rond central. Avec Mbemba, la passe de Mbemba pour écarter à gauche du rond central maintenant. Avec Inonga, la passe d'Inonga vers l'avant, ça va être dévié. Et ça va être récupéré par Bakombou, entrée de surface. Bakombou bloqué par deux joueurs. Il va temporiser un peu trop. Il va écarter avec Elia à droite de la surface. Elia qui reprend le centre d'Elia à terre. Et ça va être repoussé. Et ça va être récupéré pour la Côte d'Ivoire. Et ça repart avec Fofana à gauche de sa surface. Allez, Fofana balle au pied. Il garde bien la balle, Fofana tranquillement. Fofana le crochet. Allez, il peut avancer tranquillement. La passe de Fofana latérale pour repartir avec Kessié à droite du rond central. La passe de Kessié pour écarter à droite au milieu de terrain. C'est bien donné avec Gradel. Allez, Gradel qui peut avancer. Ça revient sur Kessié. La passe de Kessié pour Seri. Allez, Seri pour écarter avec Kessié. Ça revient sur Seri à droite du rond central qui va écarter à gauche du rond central maintenant. Allez, bonne récupération encore d'Endika. La passe d'Endika, il va écarter encore une fois avec la prise de balle de la part de Seri. La passe de Seri pour écarter à gauche aux 40 mètres. La passe vers l'avant, c'est bien donné. Ça repart avec Adjingra à gauche de la surface. Le crochet, il passe pas. Récupération de la RDC, ça repart vers l'avant, mais il y a eu de la casse là. Et il y a coup franc. Coup franc pour la RDC à droite du rond central. Ouais, il y a un peu de casse, il y a un peu de casse. Ça reste un petit peu par terre et va y avoir coup franc. Va y avoir coup franc tranquillement. Il y a faute sur Wissa. Il y a faute sur Wissa. Effectivement, il se fait télescoper un petit peu trop fort. Et les gars, il manque un abonné pour les 1 085 500 abonnés. Merci à celui qui s'abonnera et à tous ceux qui s'abonnent. Vraiment, vous êtes des rois. Hein. À samedi Marouane, à samedi mon frère, à samedi ma bichette pour le PSG en détente. PSG et Real Girona. Prochain live samedi, Real Madrid Girona et PSG Lille. J'ai dit PSG Sociedad je crois. Real Madrid Girona et PSG Lille samedi. Allez, dégagement joué. Récupération de la RDC, ça repart aux 25 mètres de haut but. La passe devant le rond central avec Pickle. La passe de Pickle pour Kalulu. La fin de frappe, c'est bien fait. Il va écarter à gauche de la surface maintenant avec Wissa. Allez, Wissa, ballon piqué dans la surface. C'est dévié. Ah, il s'est pris un coup de pied par son propre coéquipier. Dégagement ivoirien. C'est récupéré pour la RDC à gauche au milieu de terrain. La passe est mal donnée, mais c'est récupéré devant le rond central. Mais c'est rendu encore avec Boli qui dégage. Long dégagement de Boli. C'est récupéré de la tête pour les Congos. Récupération à gauche du rond central. Ça va avancer tranquillement. Allez, le crochet à gauche au milieu de terrain. Il garde bien la balle, la passe en retrait, la récupération encore dans leur surface de réparation. Allez, ils gardent le ballon tranquillement, ils vont mettre un ballon piqué pour écarter à droite au milieu de terrain. La bonne récupération encore, la passe en retrait, c'est récupéré de nouveau à gauche du rond central pour les joueurs congolais. Allez, ils vont écarter à droite du rond central, ça va accélérer encore une fois avec Moutoussami, balle au pied. Moutoussami à droite de la surface, Moutoussami le crochet. Allez, Moutoussami, ballon piqué dans la surface, ça revient sur Wissa. Oh, quel parade à bout portant! L'énorme occasion et la parade à bout portant de Fofana. Il n'y avait pas hors-jeu, waouh. Oh oui, ça avait une occasion de fou. Il n'y avait pas hors-jeu là-dessus. Ah si, il l'était large je crois. L'arbitre n'a pas signalé hors-jeu. En tout cas, énorme occasion à bout portant. Énorme occasion pour le Congo à bout portant, mais vraiment à bout portant. Mais il y aurait eu hors-jeu dans tous les cas. Mais ouais, pas marqué à cet endroit-là, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. 100 euros si tu réponds à mon message, inquiétant. Allez, là c'est la pause fraîcheur les gars. Les joueurs sont en train de boire pour l'instant. Franchement, c'est un match assez équitable. Hein. C'est un match assez équitable pour l'instant entre Côte d'Ivoire et Congo. C'est compliqué de trouver des solutions, on le voit, on le ressent. C'est compliqué de trouver des solutions pour les deux équipes. Mais pour l'instant, c'est un match où ça se rend quand même coup pour coup, c'est assez équitable. C'est assez équitable. Et merci football, ma biche. Merci football, merci Elins. Merci à vous, merci Perseverane. Merci à vous, les gars. Voilà, Mbappé, il est passé sur le côté pendant cette poche pression là. Mbappé encore côté gauche. Vas-y, Kylian, vas-y, la passe en retrait est belle. Vas-y, Ousmane. Il rate la balle, putain, mais il me rend fou, ce type.
Il fait tout le temps la même. Allez, Warren, ça passe à côté. Il fait tout le temps la même, Ousmane, les gars. Là-bas, le ballon, il lui passe entre les jambes. Il rate sa frappe. Et Dembélé, c'est trop, c'est inquiétant. Dembélé, c'est inquiétant. Bon, pour l'instant, on en rigole. Il y a 0-0. Il va falloir régler le problème rapidement. C'est Hakimi la frappe, c'est pas Warren. Ah non, c'est Hakimi, vous avez raison. C'est Hakimi, bien vu. Ouais, je croyais que c'était Warren, mais c'est Hakimi. La frappe d'Hakimi passe à côté. Tu commandes deux matchs simultanément. Bah, j'ai les yeux sur Paris, vu que je peux pas rater Paris, mais je commente RDC Congo, RD Congo Côte d'Ivoire, parce que je l'ai dit. J'ai dit parce que là, le match du PSG passe sur France 3, mais c'est vraiment parce que c'est le dernier match de la CAN que je vais commenter sur ma chaîne. Le match pour la troisième place, je le ferai pas vu qu'il y a PSG Lille. Et la finale, je la commande sur la chaîne de Winamax avec Momo Eni. C'est comme ma chaîne, c'est gratuit. Donc venez sur, là-bas, ça va être stylé. Mais c'est pour ça, c'est parce que j'ai envie de terminer en beauté la CAN avec ce match-là entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Et clôturer cette page de la Coupe d'Afrique sur ma chaîne, en tout cas de la clôturer, parce que samedi on fait Real Girona et PSG Lille. Donc voilà, et après samedi et après dimanche, bah on fait dimanche on fera la finale sur la chaîne YouTube de Winamax. Donc c'est vraiment pour terminer en beauté, pour pouvoir remercier tout le monde à la fin du match, tu vois. Donc c'est pour ça, mais j'ai les yeux sur Paris de toute façon, et comme le match est sur France 3, j'ai pris la décision de faire comme ça. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas les gars, mais le match est sur France 3. Donc là c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je vous aurais pas lâché sinon. Allez, le jeu repart. Et il y a faute et le coup franc qui est récupéré par Inunga. Faut de la pause fraîcheur. Coup franc récupéré par Inunga à gauche du rond central. Allez, le coup franc qui va être joué. T'aimes les Paris-Brest? C'est trop bon en vrai de vrai. Allez, le coup franc qui va être joué. Inunga qui a pris une semelle d'aller. Il a pris une semelle d'aller, effectivement. Effectivement. Allez, le jeu va repartir. T'es pour qui? Que le meilleur gagne, frérot. Que le meilleur gagne. Gagne. Allez, le coup franc. Mais j'ai dit au début de la CAN que je voyais la Côte d'Ivoire remporter la Coupe d'Afrique. Allez, ça repart à droite du rond central. Le ballon piqué pour Ikerta à droite aux 40 mètres. Allez, c'est bien donné, le crochet, il est passé encore côté droit. Ça avance pour Kalulu. Le centre de Kalulu. C'est beau que c'est par Fofana, ça revient en entrée de surface. C'est récupéré de la tête par Kessié. Ça revient encore à gauche du rond central avec Gradel. La passe est mal donnée. Déviation, récupération encore de la RDC, mais c'est repris pour la Côte d'Ivoire. Dégagement. Et ça va sortir en touche pour la RDC à gauche aux 40 mètres. La RDC prend l'ascendant. La RDC prend vraiment l'ascendant pour le coup. Ils prennent vraiment l'ascendant pour l'instant. Allez, touche. Mais je commenterai les 10 dernières minutes du PSG, hein, vu qu'il y a un décalage de 10 minutes entre les deux matchs. Allez, touche jouée. Ça repart à gauche de la surface avec Wissa. Allez, Wissa, balle au pied. La passe en retrait de Wissa. C'est récupéré à gauche au 25 mètres. Le centre, il va être dévié. Et ça va être un corner pour la RDC. Le corner pour la RDC qui va être joué. Allez, le corner pour la RDC en grande détente. Le corner qui va être joué. Ouais, Paris sur France 3, Paris les gars. Paris sur France 3. Allez, ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps pour le frapper ce corner. Bon, comme tous les corners jusqu'à là. Comme tous les corners jusqu'à présent. Allez, ça va pouvoir être frappé. Il y avait un bon centre de Vitinha, mais capté par le gardien finalement. Et il pleut beaucoup à Paris en plus. Allez, corner frappé, premier poteau. C'est dévié de la tête. Récupération encore pour le Congo, entrée de surface. La passe latérale pour Ikerta à gauche de la surface, c'est bien donné. Allez, ça va être récupéré encore avec Masuaku. La poussée dans le côté gauche. Le centre de Masuaku. C'est dévié de la tête, c'est récupéré pour la Côte d'Ivoire. La récupération à droite de leur surface et ils peuvent accélérer. À droite au milieu de terrain maintenant. Allez, les Ivoiriens qui lâchent pas la balle. Les Ivoiriens, la poussée de balle encore. Ils sont à droite de la surface. Allez, ça avance pour Adjingra. La poussée de balle devant Moutou Sami. Le crochet d'Adjingra, ça va sortir. Et ça va sortir en corner. Le corner, Moutou Sami est pas d'accord. Mais corner à leur tour, corner pour la Côte d'Ivoire. Il est pas d'accord du tout, mais corner à leur tour. On va voir ce que ça va donner. Mais corner pour la Côte d'Ivoire maintenant. Corner pour eux. Lyon tient plus longtemps en Coupe de France que Marseille. Pas dur en même temps. Allez, le corner qui va être frappé. Le corner qui va être frappé tranquillement. L'occasion pour la Côte d'Ivoire d'ouvrir le score, pourquoi pas, sur coup de pied arrêté, pourquoi pas. Parce que dans le jeu c'est un peu dur. Dans le jeu c'est un peu dur. Allez, Adjingra qui a été stoppé pendant son élan. Adjingra qui a été stoppé. L'arbitre, qu'est-ce qu'il attend l'arbitre? Non mais c'est trop par contre les gars, l'arbitre il arrête trop les jeux. Dès qu'il y a un coup franc, il arrête le jeu une minute minimum. Mais c'est trop. Allez, corner frappé, on n'a même pas vu le corner du coup. Et c'est récupéré par Fofana. À gauche au 25 mètres, c'est n'importe quoi frère, l'arbitre il fait n'importe.
Allez, récupération encore à gauche, 25 mètres avec Kessier. Allez, Kessier, balle au pied, passe latérale de Kessier pour Fofana. La passe latérale avec Singo qui reprend. Singo, 25 mètres dans l'axe, la passe latérale pour Ekerta à droite de la surface. Le 102e poteau. Et ça va être passé au-dessus, tout le monde s'est récupéré. Dans la surface côté gauche, encore pour la Côte d'Ivoire. Passe en retrait à l'heure, la retournée, elle passe au-dessus. Elle passe au-dessus, cette retournée d'Haller. Il a été obligé. Belle ambiance à Brest, c'est à Paris le match. Il a été obligé. Il a été obligé de la tenter, cette retournée. Parce qu'il a raté son contrôle sur la passe en retrait. Sur le côté gauche de Gradel, c'était bien fait. Il avait un vrai coup à jouer, mais là son contrôle le met un petit peu dans la D. Ça le met un petit peu dans la D. Allez, le jeu va repartir. Le dégagement va pouvoir être joué. La relance va pouvoir être joué sur France 3, frérot. Le match sur France 3 pour Paris et Beansport pour la Côte d'Ivoire. Allez, le jeu va repartir tranquillement. Le dégagement pour l'RDC, le 6 mètres est fait et ça repart encore une fois latéralement avec Mbemba qui reprend. Allez, Mbemba balle au pied. Mbemba toujours qui va écarter encore une fois à droite du rond central. La récupération de Moutoussamy. Allez, Moutoussamy qui peut avancer, balle au pied. Moutoussamy encore. Il garde bien la balle. Moutoussamy la passe vers l'avant, c'est récupéré par Bakombou. Bakombou à droite au 30 mètres. Il va écarter à droite de la surface. C'est bien donné. Le centre à terre. C'est dévié. Il aurait dû le laisser au gardien. C'est récupéré encore par Elia. Le ballon va être dévié. C'est repris par Moutoussamy. Et c'est dégagé pour la Côte d'Ivoire. C'est récupéré par Haller. La passe d'Haller à Fofana à gauche du rond central. Fofana pour écarter latéralement côté droit avec ce ballon qui est récupéré. De nouveau par Gradel. Allez, Gradel qui peut accélérer. Gradel à droite au 40 mètres. Allez, Gradel toujours. Gradel encore balle au pied. Le crochet de Gradel, il garde bien la balle. Gradel qui va écarter à droite de 30 mètres. Allez, Gradel la passe en retrait pour Fofana. Fofana récupère. Allez, Fofana il repart à droite du rond central. C'est récupéré de nouveau dans le rond central. La bonne récupération ivoirienne avec Seri. La passe de Seri pour écarter à gauche du rond central. C'est bien récupéré par Ndika. Allez, Ndika la passe latérale pour retrouver Seri. Allez, Seri balle au pied, la passe de Seri pour écarter avec Fofana. À droite du rond central. Fofana balle au pied. Allez, il garde bien la balle. Fofana il va écarter latéralement avec Seri qui reprend. La passe de Seri latérale. C'est récupéré de nouveau avec Ndika. Allez, Ndika la passe latérale pour retrouver Boli. Allez, Boli qui va écarter latéralement encore avec ce ballon qui est récupéré de nouveau par Fofana. Il va écarter à droite au milieu de terrain avec Singo. Allez, Singo balle au pied. La passe de Singo s'est récupérée à droite du rond central avec Fofana. La passe de Fofana en retrait, ça revient encore avec Boli qui remet à Ndika à gauche du rond central. Allez, Ndika qui peut avancer. La passe d'Ndika vers l'avant. La talonnade est belle pour Haller. Entrée de surface. Haller qui arrive à se retourner, passe latérale dans la surface avec Gradel côté droit. Gradel en 1 contre 1. Les passes des fins de corps. Gradel qui resserre Singo. Le centre de Singo s'est dévié. Ça revient entrée de surface avec Kessier plein axe. Allez, Kessier qui temporise. Ballon piqué de Kessier pour écarter légèrement à droite au 25 mètres. La bonne récupération encore de la part de Gradel. Gradel pour Singo. Singo la passe, elle est mal donnée. Et c'est récupéré pour la RDC. Ça repart avec Wissa devant sa surface de réparation. Avec Wissa qui avance. Allez, Wissa à gauche du rond central. Il va écarter encore une fois dans le rond central. Avec Bakombou. La passe de Bakombou pour écarter à droite au milieu de terrain. C'est bien donné. Ça va y avancer encore une fois avec la prise de balle de Kalulu. Allez, Kalulu balle au pied. Kalulu à droite de la surface. Kalulu encore, il se fait bousculer. Et il n'y a pas de faute, récupération ivoirienne. Allez, ça se dégage pour la Côte d'Ivoire. Ça revient à gauche du rond central. Avec Adjingra qui peut avancer. Il y a une barre là de Brest. La barre de Brest, les gars, c'est... Ah, mais c'est trop. Et là, ça passe à côté. Grosse occasion pour Brest. Brest n'était pas loin d'ouvrir le score. Brest n'était pas loin d'ouvrir le score. Mon Dieu, je vais péter un câble. Un 1-2, encore une fois. Oh là, le crochet qu'il a pris Hakimi et Marquinhos. Marquinhos trop tendre, encore une fois il laisse frapper, c'est le poteau. C'est le poteau, parce que Marquinhos laisse frapper, c'est le poteau. Marquinhos plus du fiac. Marquinhos plus du fiac, vraiment. Et lui je vais finir par croire que c'est pas un humain, c'est un Razmoquette les gars, c'est impressionnant. C'est impressionnant, il pue du fiac Marquinhos. Tout le temps, allez, coup franc pour la Côte d'Ivoire en tout cas. Coup franc pour la Côte d'Ivoire au milieu de terrain côté gauche. Allez, il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer, c'est trop ce Razmoquette, il pue la merde frère. Allez, le corner qui va être frappé. Enfin, le coup franc qui va être joué. Le coup franc qui va être joué pour la Côte d'Ivoire. Allez, ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps pour l'instant. Ils prennent leur temps pour l'instant. Les Ivoiriens, c'est une occasion d'ouvrir le score. C'est une bonne occasion d'ouvrir le score.
Allez, ça va être frappé directement dans la surface congolaise. Déviation de la tête, c'est repris par le Congo, c'est dégagé. Ça revient sur Siri aux 40 mètres. La frappe de Siri, elle va être déviée. Ça va revenir à droite du rond central. Et ça va être récupéré de nouveau par les joueurs ivoiriens. La bonne récupération pour écarter à droite au milieu de terrain maintenant. Allez, ils vont écarter à droite aux 40 mètres. La bonne récupération de la part de Gradel. Pour un quel arrêt Donnarumma. Oh là là, c'est trop. Allez, ça repart à droite de la surface avec Gradel qui reprend encore. La passe de Gradel en retrait. Ça revient avec Kessié. La passe de Kessié pour écarter à droite de la surface avec Singo. Le centre de Singo, tête à l'heure. Oh, ça passe juste à côté. L'énorme occasion pour la Côte d'Ivoire d'ouvrir le score. À l'heure était tout seul. Oh, à l'heure était tellement seul. Il était tellement seul à l'heure. Oh là là, oh comment il rate ça. Oh, il était tellement seul. Il était tellement seul. Incroyable. 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 Allez, ah, Brest, ils sont en train de nous éteindre là par contre. Allez, Drogba qui était déjà prêt à se lever, hein, Didier. Il était déjà prêt à se lever, Didier Drogba. Il a un maillot de la Côte d'Ivoire, floqué CAN 2023. C'est un ouf, Drogba. C'est un ouf. Il a floqué son maillot CAN 2023. Allez, le jeu repart. Dégagement joué, récupération pour la Côte d'Ivoire à gauche au milieu de terrain. Allez, la bonne récupération. Il va écarter à gauche du rond central. Allez, c'est bien donné, ça repart avec Seri. La passe de Seri pour écarter à gauche de la surface. Récupération ivoirienne, encore le centre premier poteau. Le contrôle tout à l'heure. Mais il va tomber, mais il n'y a pas de faute et ça va être dégagé pour la RDC encore. Récupération ivoirienne à gauche du rond central. C'est le temps fort de la Côte d'Ivoire maintenant. Allez, ça revient à droite au milieu de terrain. La bonne récupération, ils vont écarter à droite aux 30 mètres. Le crochet, ça va être une touche. La touche pour la Côte d'Ivoire devant la surface. Devant la surface congolaise. Allez, la touche qui va pouvoir être jouée. Et ils vont prendre leur temps pour la faire encore une fois cette touche. Ils vont prendre leur temps pour la faire. Allez, ça va être joué. Ça va être joué tranquillement. Ça va être joué, allez, c'est joué cette touche. Ça repart à droite de la surface, le ballon qui est bien récupéré encore avec Singo. La passe de Singo en retrait, ça revient sur Kessié, la frappe, le poteau. Le poteau de la part de Kessié. L'énorme occasion ivoirienne encore. Kessié a deux doigts d'ouvrir le score et de libérer le peuple ivoirien. Mais c'est le poteau qui vient sauver la RDC. Ouh. Ouh. Ouais, occasion ratée de Dembélé encore. Le poteau touché, Kessié pas loin, Kessié vraiment pas loin. La frappe était belle, hein. La frappe était belle de Kessié. Mais c'est le poteau qui vient de sauver le Congo et qui vient refuser ce but à la Côte d'Ivoire. Le dégagement va être joué maintenant pour le Congo. Le dégagement. Merci frérot, merci à vous tous aussi. Merci à toi Majorel. Allez, le dégagement qui va être joué. Mais il y a un joueur qui reste à terre, c'est Bakambu. Bakambu qui reste à terre les gars. Bakambu qui reste à terre. Et Bakambu qui a tout mon respect les mecs. Tout mon respect Bakambu. Parce que Bakambu, ça a déterré des anciens tweets de lui. Et ça date depuis 2012 que Bakambu dénonce ce qui se passe au Congo. Quand tu sais qu'il y en a beaucoup. Quand tu sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent pas. Qu'il y en a beaucoup qui parlent pas de tout ce qui se passe au Congo. Bakambu il en parle depuis 2011. Depuis 2012. Ça fait bien longtemps que ça dure. Il a tout mon respect Bakambu. Ça fait bien longtemps que ça dure et encore une fois, soutien au peuple congolais, aux frères congolais, pour ce génocide qui subissent au pays. Encore une fois les gars, c'est inhumain, c'est ignoble les images qu'on peut voir passer. C'est inhumain et ignoble, c'est ignoble, c'est ignoble. Allez. But parisien, let's go. But Mbappé les gars, Mbappé ouvre le score. Mbappé ouvre le score pour le PSG. Vamos. Mbappé ouvre le score pour le PSG, magnifique. Magnifique, celui-là il fait du bien. Je vous le mets sur Insta pour ceux qui veulent les gars, le but parisien. Allez, le jeu repart maintenant entre la Côte d'Ivoire et la RDC. J'ai dû vous faire peur les gars, désolé, mais c'est un but pour le PSG. Allez, le ballon va être dévié, touche pour la Côte d'Ivoire. Touche pour la Côte d'Ivoire, je vous le mets sur Insta, hein, ceux qui veulent. C'est une perte de balle, une très bonne récupération. Ça revient sur Mbappé, Mbappé qui frappe croisée puissant. Frappe croisée puissante. C'est une très bonne récupération d'Ousmane, ça revient sur Warren. Et Warren resserre Mbappé. Frappe petit filet opposé. Et la puissance de Kylian. La puissance de Kylian par contre, magnifique, ça fait 1-0. Ça fait 1-0, bonne nuit. Allez, le jeu va repartir en tout cas. Le jeu va repartir tranquillement.
La touche est jouée pour la Côte d'Ivoire et ça repart derrière. Allez, bonne récupération ivoirienne. Allez, ils arrivent à conserver la balle tranquillement. Allez, conserve le ballon. La passe latérale, ça revient devant la surface congolaise. C'est récupéré par Fofana à gauche du rond central. Allez, Fofana qui garde la balle. Fofana toujours, il garde bien le ballon. Fofana, il va repartir à droite de la surface. Le centre derrière, c'est dévié de la tête. Récupération de la part de la Côte d'Ivoire dans la surface. Mais ça va être dégagé pour le Congo. Dégagé par le Congo et ça va être une touche pour la RDC devant leur surface. Il reste très peu de temps. Il reste très peu de temps. Très 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 peu de temps. Mbappé buteur, ça fait du bien. Mbappé buteur, 1-0 pour le PSG. En mode grandiose. Allez, la touche qui va être jouée pour le Congo. Tranquillement devant leur surface. Allez, ça va être joué. Longue touche. Ça repart à droite au milieu de terrain. Récupération ivoirienne. Mais il y a faute et coup franc pour le Congo à droite au milieu de terrain. Et il y a 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes. Après, on commente. PTDR, il m'a fait peur. Ouais, je sais. 3 minutes après, dès que c'est la mi-temps, on commente la fin de Paris. Dès que Paris c'est fini, on commente le début. On reprend Côte d'Ivoire. Bref, vous avez compris. Allez, le jeu va repartir. Le dégagement qui va être joué pour les Congolais. Mais ils prennent leur temps, les Congolais. Ils prennent leur temps pour l'instant. C'est vrai que bon, la Côte d'Ivoire a son temps fort, la RDC a son temps fort. Pour l'instant, les deux ont leur temps fort, clairement. Les deux équipes ont leur temps fort. Mais meilleur temps fort pour la Côte d'Ivoire, vraiment. Meilleur temps fort pour la Côte d'Ivoire. Allez, le jeu va repartir maintenant. Le jeu repart et c'est récupéré pour les Ivoiriens à gauche au milieu de terrain. Le crochet, allez, c'est récupéré pour les RDC à droite aux 30 mètres. La bonne prise de balle de la part de Bakombou. Il va centrer, ça va être poussé. C'est récupéré par Singo dans sa surface. Allez, Singo balle au pied. Allez, Singo, il va repartir de nouveau à gauche de sa surface de réparation avec Kessier qui reprend. Perte de balle de Kessier et ça va sortir en touche de nouveau pour le pour la Côte d'Ivoire devant leur surface côté gauche. Allez, la touche pour la Côte d'Ivoire qui va avoir lieu tranquillement. La touche pour la Côte d'Ivoire. Les gars, je rappelle, hein, en Coupe de France, pour ceux qui s'intéressent au PSG là. Les gars, il n'y a pas de prolongation, c'est péno direct. Hein, donc si on fait nul, vaut mieux mettre le deuxième et les éteindre une bonne fois pour toutes. Parce que nul, c'est prolongation. C'est pas de prolongation, c'est péno. Allez, dégagement pour la Côte d'Ivoire. Et il y a faute, coup franc pour la Côte d'Ivoire dans leur moitié de terrain. Faute sur série. La faute sur série. Lui qui était pisté par le PSG, par le Barça, fut un temps, les mecs. Hein. Il était pisté par les deux. Oh là là, 2-0 ! 2-0 pour le PSG ! Magnifique travail de Dembélé ! Et Danilo Pereira ! Le patron, Danilo ! Le patron, voilà ! Voilà, grosse percée Dembélé ! Le centre et Danilo pousse au fond ! 2-0 ! Bon, comme en Ligue 1, on sait jamais, attention, mais 2-0, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, coup franc joué pour la Côte d'Ivoire ! Allez, le coup franc est joué pour la Côte d'Ivoire. Ça repart à gauche du rond central, ils arrivent à conserver la balle. Allez, c'est bien donné. Allez, ils vont écarter à gauche du rond central. Gros travail de Dembélé. Allez, ça repart à droite du rond central maintenant. La bonne récupération encore avec Haller. Haller qui récupère la passe d'Haller pour écarter à droite de la surface avec Pépé. Récupération encore de la part des Congolais. Et il y a faute coup franc pour le Congo à gauche de leur surface. Le coup franc. Allez, ça fait du bien. Danilo buteur également. Fait du bien. 2-0. Mais les gars, Brest, deux fois on menait 2-0 mi-temps, deux fois on a fait 2-2. Enfin, deux fois ils sont revenus à 2-2. Un match on gagne 3-2, un match on fait vraiment 2-2. Allez, le dégagement va être joué pour le Congo. Le coup franc est frappé, mais c'est la mi-temps. C'est la pause. 0-0 entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Match plutôt fermé avec des temps forts de part et d'autre de temps en temps. Le poteau qui a été touché. On le rappelle, le poteau de la part de Kessier, l'occasion d'Haller qui était seul. Il y a des grosses situations. Les occasions les plus franches ont été pour la Côte d'Ivoire. On va pas se mentir. Les occasions les plus franches ont été pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout est à faire encore. Sacré Yanis, le mec qui est aimanté par Panin. Je peux pas rater. Impossible. C'est sur TF, c'est sur France 3, donc ça va. Mais là, ouais, je peux pas rater en tout cas. Mais en tout cas, ouais, match serré pour l'instant, c'est pas fini. On va se remettre, les gars, le temps de la mi-temps. On se met sur la fin du match de Paris. Il reste 5 minutes, c'est la 39e. On finit tranquillement le match face à... Enfin, la première mi-temps face à Brest. On la finit tranquillement. Comme ça, au moins, on a un deuxième match. C'est cadeau, les gars. Et ça fera passer la mi-temps un peu plus vite. Après, de toute façon, dès que c'est la mi-temps à Paris, on repart pour parler de ce match. De toute façon, on sera là pour la reprise du Congo, dans tous les cas. On sera là pour la reprise.
chance. Allez, ça repart derrière pour les joueurs brestois. Long dégagement de la part de Couder. Long dégagement de Couder, ça va être récupéré à droite de la surface parisienne. Le crochet, il est bien fait. Allez, ils vont écarter latéralement dans la surface. La frappe s'est déviée, heureusement. Et Brest, ils ont des occasions. Hein. Brest, ils ont des occasions. Hein. Allez, ça repart à gauche au milieu de terrain avec Bradley Barcola qui récupère. Allez, Barcola entre deux joueurs. Barcola qui peut avancer. Barcola toujours la passe pour lancer Mbappé. Allez, c'est le 3-0. Mbappé, le crochet sur le gardien. Il est bien bloqué. Il n'y a plus de gueule. Mais l'anglais, c'est pas bon. Mbappé garde la balle. Le centre, il va être dévié. Il va être dévié. C'est récupéré. C'est récupéré par les Brestois à droite de leur surface. La passe latérale, ça peut accélérer encore et ça revient devant leur surface de réparation maintenant. Avec ce ballon qui va être récupéré par Magnetti, ça repart derrière avec son gardien, avec Couder. Allez, Couder, le ballon piqué de Couder pour écarter sur le côté gauche avec Loco. Allez, Loco, balle au pied à gauche au milieu de terrain. Allez, Loco toujours, il garde le ballon tranquillement. Allez, ça repart dans le rond central. Ils vont écarter à droite au milieu de terrain. Et c'est bien récupéré encore une fois avec Kenny Lala. Kenny Lala toujours en 1 contre 1 face à Beraldo. Le crochet de Kenny Lala, entrée de surface. Kenny Lala, le ballon piqué, il va être dévié. Kenny Lala reprend d'une tunnel de pigeon. C'est récupéré par Fabian Ruiz. Perte de balle de Fabian. Récupération brestoise encore. Ça revient en 25 mètres dans l'axe. La passe latérale pour écarter à droite au milieu de terrain. Avec Doumbia. Allez, passe latérale de Doumbia pour Martin. Martin pour écarter latéralement encore. Avec Camara qui reprend, ça revient sur Sanciano. La passe, elle va être mal donnée. Danilo récupère dans notre surface. Allez, Danilo qui reprend. C'est la pause hein, pour l'instant, les gars. C'est la pause pour Côte d'Ivoire-Congo. Vous inquiétez pas, on sera là pour le retour des vestiaires. On finit juste la première mi-temps de Paris tranquillement, vu qu'il y a un décalage. Allez, il y a une grosse balayette et il y a un coup franc. Le coup franc qui va être joué pour les Brestois, faute de Beraldo. Par contre, je comprends pas. Beraldo fait un très bon match en défense centrale. Tu le refous à gauche. Tu le refous à gauche, à la limite tu mets Beraldo, Danilo en défense centrale, tu sautes Marquinhos et je sais pas, tu mets ma tante en défenseur gauche, vraiment. Du moment que tu sautes Marquinhos, je pense qu'il n'y a rien qui est perdu, vraiment. Il n'y a rien qui est perdu. Hein. Tu peux mettre ma tante, mon frère, ma soeur, ma grand-mère en latéral gauche. Si c'est pour sauter Marquinhos, il n'y a aucun problème. Je pense que le niveau est égal. Hein. Allez, le coup franc qui va être joué. Le coup franc pour les Brestois. Par contre, si on reprend 2-2 les gars, vraiment. Si on reprend 2-2, vraiment. Si on reprend 2-2, c'est une grosse blague. C'est une grosse blague si on reprend 2-2. Allez. Allez, bah les gars, si on reprend 2-2, les gars, allez, PS5. Voilà. Allez, corner frappé. Allez, c'est boxé. C'est pas question de... Ouais, on fait 2-2 à la fin. S'ils reviennent à 2-2, s'il y a 2-2 dans ce match, j'offre une play 5. Allez, c'est arrivé 2 fois. Ouais, j'espère pas. Allez, ça repart, il y a un bon contre et ça resserre Dembélé. Dembélé dans la surface pour retrouver Mbappé. Mbappé côté gauche, le lob, la barre. La barre d'Mbappé. Mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Les gars, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est fait exprès, c'est pour le 2-2 ça. Allez, ça repart devant le rond central. Le ballon qui est récupéré pour les Brestois. Il y a faute coup franc pour Paris dans l'axe aux 40 mètres. Ah, le lob d'Mbappé était incroyable par contre. Mais Mbappé est déchaîné dans ce match. Mbappé est déchaîné vraiment. Mbappé est déchaîné, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il est on fire le bon vieux Kylian. On fire, on fire. Allez, dégagement, enfin coup franc joué. Ça repart à gauche au milieu de terrain. La bonne récupération à gauche au milieu de terrain encore avec Beraldo. La passe de Beraldo pour Barcola. La passe et les balles dans la surface pour retrouver Kylian. La frappe, l'arrêt. Mais c'est pas possible, Kiki. Mais Kiki, s'il te plaît, t'es tout seul. T'es tout seul, tuez le match, bordel, tuez-le. Tuez-le, vous voulez jamais tuer les matchs, c'est ça le problème. Ah, c'est abusé, il était seul. Allez, ça repart pour les Brestois, la bonne récupération à droite de leur surface. Ballon dévié par Bradley Barcola et touche pour Paris. Allez, touche devant la surface brestoise côté gauche. Allez, touche parisienne. Touche parisienne. Les gars, bon, à mon avis, je suis pas le seul, mais il y a que moi, je peux pas me détacher du PSG. Genre impossible, je rate le match, impossible. C'est une dinguerie. Hein. Allez, ça repart latéralement. Après, je le commande pas. Ouais, bah excuse-moi, je le commande pas. C'est la première fois, ça va. Et encore, enfin, je le commande pas, je suis en train de le faire qu'elle. Allez, ça repart avec Hakimi. La passe d'Hakimi pour Zaïre Emery. La passe latérale, ça va être dévié. C'est récupéré par Dembélé encore à droite de la surface. Il prend une semelle, coup franc à droite de la surface. Coup franc à droite de la surface. Même chose pour le Real. Ouais, c'est normal en vrai. Tu nous fais trop rire. Ben j'avoue les gars, ceux qui sont là pour RDC Côte d'Ivoire et qui me suivent pas sur les championnats. Ouais, Paris c'est chelou les gars. Paris avec moi dans mon cœur les gars, c'est chelou. Comportement est bizarre. Comportement bizarre les gars. Ouais, sur Paris.
En tout cas, on sera là pour PSG Lille, clairement, pour la Sociedad mercredi. Très très important. Ouais, ça va être des moments très importants. Très très importants. Donc on sera là samedi. On sera là samedi pour PSG Lille. Je ferai pas le match pour la troisième place de la CAN. J'ai fait beaucoup quand même de la CAN, ça y est. De toute façon, on arrive au bout. Et la finale, je la commenterai sur Winamax avec Momo Eni. Mais en tout cas, on sera là pour PSG Lille et PSG Sociedad. Les deux prochaines GC échéances du PSG. Allez, le coup franc qui va être joué. Le coup franc qui va être joué par Achraf Hakimi. Allez, Hakimi prend son temps. Hakimi prend son temps pour l'instant. Allez, Achraf, visage concentré. Allez, le coup franc s'est joué à dos avec Dembélé dans la surface côté droit. Dembélé, le centre fort, le poteau. Mais c'est pas possible. Barcola récupère à gauche de la surface. Allez, Barcola passe en retrait pour Vitinha. Vitinha qui garde la balle, l'enroulée de Vitinha. Elle va passer à côté, 2 minutes de temps additionnel. Oh, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Eh, il a failli flinguer le gardien dans un angle fermé. Le gardien anticipe. Ouais, il a failli flinguer le gardien. Allez, le dégagement qui va être joué en tout cas 6 mètres pour Brest. Et dès que ça sera fini, il restera 5 minutes et le match du coup, de la Côte d'Ivoire reprendra. Il restera 5 minutes et ça reprendra pour la Côte d'Ivoire. La PS5 va tomber. Yannis, je cherche pas. Il y a fort moyen. Deux fois mené 2-0 à la mi-temps contre Brest. Deux fois, ils sont venus à 2-2. Allez, le jeu repart. Dégagement pour les Brestois et surtout qu'ils ont mis des barres et tout. Hein, ils ont eu des occasions aussi. Allez, ballon récupéré, mais il y a une main. Coup franc pour Paris dans le rond central. Coup franc parisien. Coup franc parisien. Martin n'est pas d'accord. Et t'as pas le choix. Allez, coup franc joué vite. Et ça part dans l'eau de la défense. Mbappé qui est servi à gauche de la surface. Allez, Mbappé, il s'arrête en 1 contre 1. Mbappé, il se retourne. Il y a Bradley Barcola avec lui. Il va le servir à gauche de 25 mètres. Allez, Bradley Barcola qui resserre Vitinha. Allez, Vitinha, il revient à gauche au milieu de terrain avec Beraldo. Beraldo qui garde bien la balle. Beraldo encore la passe pour écarter avec Danilo à gauche du rond central. Danilo pour écarter avec Beraldo. La passe de Beraldo pour écarter à gauche au milieu de terrain. Ça revient sur Beraldo. La passe de Beraldo latéral. Ça revient sur Danilo Pereira. Danilo pour écarter latéralement encore. La bonne récupération encore avec Marquinhos. Allez, Marquinhos pour Danilo Pereira. Danilo Pereira qui avance, il va écarter latéralement avec ce ballon qui est récupéré à gauche du rond central. Ça revient vers Mbappé, mais Barcola reprend et c'est récupéré par les Brestois. Il reste 10 secondes à jouer avant la mi-temps. Récupération des Brestois, mais il y a faute et coup franc pour Brest. Bon, ça va être la mi-temps, je pense. Ça va être la mi-temps là-dessus, je pense. Ça va être la mi-temps et c'est la mi-temps. C'est la pause. C'est la pause entre le PSG et Brest. 2-0, on aurait pu mener plus. Hein. C'est dommage, mais 2-0 à la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. Bon, en tout cas, les gars, en tout cas, important. À l'heure où on parle, je le rappelle, il y a bel et bien 0-0 entre la RDC. Entre la RDC et la Côte d'Ivoire. On va regarder le tableau rapidement. Je rappelle encore une fois, les gars, que le gagnant de ce match ira affronter le Nigeria en finale de la CAN. C'est le Nigeria. L'Afrique du Sud jouera la petite finale samedi à 21h. Ce match-là, je le commenterai pas, je le rappelle. Mais le perdant de ce match affrontera. Les gars, franchement, la petite finale, elle vous intéresse ou elle vous intéresse pas en vrai de vrai? C'est le match pour la troisième place. C'est un truc qui devrait même pas exister en vrai. C'est un truc qui devrait même pas exister. Tu vois, c'est le truc. Oui, elle m'intéresse. Ouais. Moi, les matchs pour la troisième place, c'est pas le truc le plus hypant, mais bon. Après, de toute façon, la finale, je l'ai fait avec Momo. Mais dans tous les cas, intéressant en vrai. Bon, après, ça serait intéressant si c'est un RDC Afrique du Sud ou un Côte d'Ivoire Afrique du Sud. Quoi qu'il arrive, ce sera intéressant. Mais par contre, les gars, la finale, si c'est Côte d'Ivoire Nigeria, ça va être une vraie. Ça va être incroyable. Côte d'Ivoire Nigeria, même RDC Nigeria. La finale sera belle, quoi qu'il arrive. La finale sera belle. La finale sera belle, quoi qu'il arrive. Donc, ça va être beau. Ça va être beau. Première mi-temps, pas rassurante encore. Bah, on a vu ça, Dylan. On a vu ça, écoute, mais bon, 2-0. Après, pas rassurant, pourquoi? Parce que Marquinhos, parce que Beraldo à gauche. Voilà pourquoi, hein. Parce que Fabian Ruiz. Voilà pourquoi, pas rassurant, frérot. Voilà pourquoi, c'est tout. Hein. Bonne chance aux Léopards. Ouais, bonne chance aux Léopards, bonne chance aux Ivoiriens. Je le répète encore une fois, les mecs. Je l'ai déjà dit deux fois, mais je le répète encore une fois parce que franchement, c'est important. Franchement, c'est important, mais il faut parler, les gars, vraiment, je vous invite à en parler autour de vous. Les gars, vraiment, là, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous le demander vraiment. Let's play football. Les gars, n'hésitez pas à partager. Et là, je parle pas des vidéos, des photos de ce qui se passe au Congo.
Mais les gars, ne gardez pas le silence devant ce qu'il se passe au Congo à l'heure où on parle. Les mecs, parlez-en. Faites tourner, partagez les trucs. C'est important, les gars. C'est important de savoir ce qui se passe. C'est important d'en parler, de le mettre partout, de voir partout ce qui se passe au Congo. Et que le silence cesse, parce que le silence a trop duré, les gars. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'il se passe ces choses-là. 10 ans que c'est comme ça. Et il n'y a rien qui bouge, les gars. C'est important, vraiment, là, je vous le demande. Partagez tous les trucs qui se passent dès que vous voyez quelque chose par rapport au Congo. Parce que vraiment, les gars, c'est ignoble. Je suis tombé sur des trucs, c'est ignoble. Vous vous rendez pas compte, c'est horrible. C'est vraiment une dinguerie. Donc vraiment, encore une fois, soutien au peuple congolais, soutien aux Congolais. N'hésitez pas à partager tout ce que vous voyez, les gars, parce qu'il faut, il faut le montrer, il faut le dire, il faut en parler. C'est comme pour la Palestine, les gars. C'est des choses qui sont sous silence, mais à force de partage, et ben ça fait quand même du bruit. Et il faut le montrer. En tout cas, Free Congo, force aux Congolais, parce que vraiment, ce qui se passe là-bas, c'est horrible. Donc vraiment, force à vous les Congolais, on est de tout cœur avec vous. Mais vraiment, les gars, à notre petite échelle, hein, tout le monde, si on voit des trucs, n'hésitez pas à partager tout ça, à montrer ce qui se passe réellement là-bas. Parce que franchement, il se passe quoi? J'ai pas suivi. Franchement, j'ai même pas envie de le dire, frérot. Je pense que ça sera pas difficile à trouver. J'ai pas envie de le dire parce que c'est ignoble. Mais ouais, c'est un génocide, j'ai pas peur de le dire, c'est un génocide qui se passe au Congo. C'est un génocide. Donc c'est important, les gars. C'est important, vraiment, c'est important. Parce qu'il y a là, on parle de l'être humain. Imaginez-vous si c'était vous à leur place. Imaginez si c'était vous à leur place. Ouais. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ce qui se passe dans le monde, franchement, les gars, des trucs comme ça dans le monde en 2024, c'est quand même effrayant, les gars, et que ça reste sous silence comme ça, c'est effrayant aussi. Ouais, c'est effrayant, les gars, c'est effrayant, franchement, c'est waouh. Ouais, je comprends pas comment on peut laisser tout un pays souffrir autant depuis autant de temps sans rien dire. Je comprends pas, mais c'est comme ça, les gars. Ah, j'ai dit plus de 10 ans, 27 ans, j'ai dit plus de 10 ans. Ah, c'est impressionnant, les gars. Mais bon, ça, c'était la petite aparté. C'est important, les gars, vraiment, c'est important. C'est important, les mecs. C'est important. Voilà, c'était la petite aparté. Bon, pour une touche un petit peu plus joyeuse, pour revenir un peu sur le ballon, le match va pas tarder à reprendre. Le match va pas tarder à reprendre entre les Ivoiriens et les Congolais. Le match va pas tarder. Ça danse dans les tribunes côté ivoirien. Ça danse dans les tribunes. Il y a des sourires, il y a de la joie. Allez, ouais. Ça danse dans les tribunes. Et les gars, il manque un abonné pour les 1 086 000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Celui qui s'abonne, c'est le 1 086 000e. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Vraiment, vous êtes grotesques. Hein. Vraiment, vous êtes grotesques. Merci à vous. Le match va pas tarder à reprendre. Alors, qui va rejoindre le Nigeria? On verra bien. Franchement, les gars, j'ai quand même été fort, hein, pour le Nigeria. Parce que, les gars, je l'ai dit deux fois. Si, j'ai mis le deuxième but du PSG sur Insta, non? Je l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. Non, je l'ai pas mis, t'as raison, je suis un connard. Non, c'est moi, je suis un connard. J'ai oublié. Non, mais les gars, franchement, je vous avais pas dit. Nigeria, Afrique du Sud, match nul, un partout. Prolongation, tir au but. Mais j'avais dit l'Afrique du Sud passe au tir au but. Les gars, franchement, j'ai quand même été bon. Les mecs, parce que les pénaltys, après, c'est dur à dire. Je me suis trompé deux fois, mais deux fois, j'avais dit 1-1 prolongation, tir au but. C'était pour l'Egypte et pour... Ouais, je me suis trompé sur les tirs au but, Darkzor. Non, t'as eu faux. Mais les gars, faut de quoi, les gars? Un partout, prolongation. Ça y est, c'est validé déjà, ça. C'est validé. Parce que quand tu joues, c'est ça, c'est sur les 90 minutes. Donc déjà, allez pleurer ailleurs, les gars, deux fois. Après, j'avais dit Afrique du Sud, minimum demi-finale. J'ai eu raison. Par contre, t'imagines, les gars, perdre au pénalty la finale, ça doit être horrible.
Oh là là. Bon, déjà les demi, bon, de toute façon, même les 8e, etc. Perdre, oh, ça doit être horrible. Mais imagine, Coupe du Monde, tu perds au pénalty. Imagine, juste imagine. Enfin, imagine. Enfin, imagine. Imagine, pas dur à imaginer. Pas dur à imaginer. À imaginer en vrai, mais en vrai, ouais, tu l'as vécu en 2006 contre l'Italie et là contre l'Argentine. Yanis, pourquoi tu commentes? Mais frérot, regarde, Hugo, va voir onglet communauté avant-dernier poste, onglet communauté sur ma chaîne, avant-dernier poste, et c'est carré. Regarde, va voir. Mauvais drapeau, de quoi mauvais drapeau? Merci à toi en tout cas, Hugo, pour le don de 5 euros. Va voir et reviens, et tu me mets un message. C'est expliqué dans l'onglet communauté, ma biche. Paris doit mettre ce troisième but. Après, on sera tranquille. Ouais, faut mettre le troisième par contre. Parce que match nul, c'est prolongation, je le rappelle. C'est pas de prolongation, c'est tir au but direct. Il y a moyen, Paris, ils font la même chose que la dernière contre Brest. J'espère pas, ils l'ont fait deux fois. Donc j'espère pas là. J'espère pas. Les gars, mauvais drapeau où? Vous me dites mauvais drapeau. Mauvais drapeau où? Mauvais drapeau où, les gars? Vous me parlez de où? Comment il va, Joe Joyce? Ouais, c'est mon compte TikTok. Mauvais drapeau. J'ai pas compris. Gauche, mon sac gauche. J'ai pas compris de quoi vous me parlez. C'est Nigeria? De quoi c'est Nigeria? Mais non, les gars, vous me parlez de celui-là, là? Vous me parlez de lui là-bas? Les gars, abusez pas. Abusez pas, les gars, par pitié. Le match a repris. Le match a repris. Les gars, dites-moi pas que vous me parlez. Vous me parlez de lui là-bas, là? Tout en haut à gauche. Non, les gars, vous abusez. Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Vous êtes inquiétant, les gars. Vous êtes inquiétant, les gars. C'est juste que le orange est caché. C'est juste que le orange est caché, les gars. Allez, le jeu repart. En tout cas, il y a une faute. Il y a un joueur de la RDC qui reste par terre pour l'instant. Allez, c'est Bakambu. Bakambu qui reste par terre à l'heure où on parle. L'arbitre vient voir ce qui se passe pour eux. L'arbitre vient voir ce qui se passe. L'arbitre vient voir ce qui se passe. Allez, Bakambu reste à terre. Ouais, il s'est pris un coup. C'était un duel avec Seri. Ouais, y a pas grand chose. Hein. Y'a pas grand chose. Y'a pas grand chose en vrai. Pour moi, franchement, pour moi, y'a pas grand chose, les gars. Honnêtement, pour moi, y'a pas grand chose là pour le coup. Pour moi, y'a pas grand chose, mais bon, ça va être coup franc. Ça va être coup franc, quoi qu'il arrive, à gauche du rond central. Allez, ça va être coup franc. Merci pour les follow, les gars. Merci pour les follow, les mecs. Merci à ceux qui follow. Vous êtes des cracks. Merci à ceux qui like, ceux qui s'abonnent. Vous êtes des rois, les gars, vraiment. Et il manque un abonné pour les 1 086 500 abonnés. Vous êtes en train de tout casser. Merci du fond du cœur. Allez, le dégagement joué. Et récupération. Encore une fois pour les joueurs de la RDC. Dans leur moitié de terrain. Allez, bonne récupération. Ils vont pouvoir se dégager tranquillement. Le gardien récupère. C'est Mpassi qui reprend. Allez, Mpassi va se relancer. Ça s'embrouille un petit peu. Hein. Les nerfs deviennent un peu tendus, les gars, dans le match. Les nerfs deviennent un petit peu tendus. Allez, la relance qui va être jouée. La relance qui va être jouée tranquillement, longue relance à droite au milieu de terrain. C'est récupéré de nouveau à droite au milieu de terrain, la passe pour Ekerta à droite de la surface. Récupération ivoirienne, le ballon piqué pour Ekerta à droite au 25 mètres. La bonne récupération et ça repart à droite au milieu de terrain pour les RDC. Le ballon piqué de la part de Kalulu, ça revient sur Bakambu, l'aile de pigeon. Pour repartir à droite de la surface, c'est bien donné, c'est récupéré par Elia. Elia en 1 contre 1, la fin de son d'Elia, le crochet, les passements de jambes qui s'enchaînent, crochet, centre. C'est repoussé de la tête, ça revient dans l'axe, c'est repris au 30 mètres. La passe entrée de surface, c'est bien donné, ça repart avec Bugunda. Le crochet, il est passé. Deuxième crochet, Bugunda, la frappe, c'est dans le petit filet. Bugunda qui vient de rentrer et qui est pas loin de donner l'avantage au Congo. J'avais pas compris pourquoi il était sur le banc déjà. Je comprenais pas pourquoi il était sur le banc. Mais là par contre la percée de Bugunda. Et quel joueur lui, les gars, il joue au Bugunda? Il joue en Russie, non? Je crois qu'il joue en Russie. Il joue au Bugunda? Attends, si quelqu'un sait son club. Si quelqu'un sait son club, je prends Bugunda qui a remplacé Kakuta. Je mets le changement en attendant.
Banda qui est rentré à la place de Kakuta. Ah ouais, il va être percutant. Je sais pas pourquoi ça a sorti Kakuta. Allez, le jeu va repartir. Las Palmas, Cadiz. En Russie. Pour moi, il joue en Russie. Hein. Spartak Moscou. Il joue Spartak Moscou. Ok, Spartak Moscou. Bien vu. Allez, le jeu va repartir. Allez, ça va revenir à droite du rond central. Le ballon qui repart à droite du rond central avec Seri. Allez, Seri, balle au pied qui repart avec Caissier. Le ballon piqué de Caissier. Thibos, je t'invite à aller regarder l'onglet communauté avant-dernier poste. Je t'invite, Thibos. Allez, touche qui va être jouée tranquillement. Allez, ça repart avec Caissier. Caissier, balle au pied. La passe de Caissier pour Ekerta à gauche au milieu de terrain. C'est bien donné, ça repart à gauche du rond central. La passe latérale pour Ekerta à gauche au milieu de terrain. La bonne récupération encore avec la bonne prise de balle pour les Ivoiriens. Et ça va être récupéré avec Ndika. Ndika, la passe dans le rond central pour Seri. Allez, Seri qui peut avancer. Seri, balle au pied qui va Ekerta à gauche du rond central. La passe latérale pour Ekerta avec Konan. Konan à gauche, 25 mètres, le centre de Konan. Ça va être dévié. C'est récupéré de nouveau par les joueurs ivoiriens à gauche du rond central avec Caissier. Le ballon piqué de Caissier. C'est dévié de la tête. C'est récupéré par les Congolais. Ça va revenir à droite au milieu de terrain. Et ça peut accélérer pour le Congo. La poussée de balle. Et il s'arrête pas d'accélérer. À droite au 25 mètres. Le crochet encore entre deux joueurs. Et récupération ivoirienne sans faire de faute. Allez, ça accélère avec Caissier qui récupère. Caissier se prend une balayette et il y a faute. Le coup franc pour la Côte d'Ivoire à gauche au milieu de terrain. Le coup franc pour la Côte d'Ivoire bien récupéré. 4-1 pour Nice contre Montpellier. Chaud. Allez. Non, Divalova. Je n'enlève pas. Les éléphants, la Côte d'Ivoire compte sur vous. Allez, la touche va être jouée. La touche est jouée. Et ça repart derrière avec le ballon qui est récupéré par Ndika. Ndika pour Seri qui resserre Ndika à gauche au milieu de terrain. Allez, Ndika, le ballon piqué pour repartir dans la surface de la, du Congo. Mais ça va être capté par Mpassi. On est parti pour l'instant pour des prolongations. À l'heure où on parle, on est sur des prolongations. Paris, ça va reprendre dans pas longtemps. Allez, le dégagement, la relance est jouée, ça repart pour les Congolais devant leur surface de réparation. La passe latérale pour Ekerta à gauche au milieu de terrain, c'est bien fait, ça repart à gauche au 25 mètres, la bonne récupération encore. Récupération ivoirienne à droite de leur surface. Allez, les Ivoiriens récupèrent et ça va être une paire de balles. Et je vous ai mis le deuxième but parisien sur Insta du coup. Paire de balles et touche pour la Côte d'Ivoire. Allez, c'est joué rapidement dans leur moitié de terrain. Ça repart à gauche du rond central et à gauche au milieu de terrain. Avec ce ballon qui est récupéré par Konan. La passe de Konan. Adjigra laisse passer, il est passé. Mais le ballon sort. Le ballon sort, touche pour le Congo devant leur surface de réparation côté droit. Désolé pour le hockey, les gars. Désolé, il va rester un moment, j'imagine. Et merci Julien pour le sub offert. Et tu l'as offert à Darkzor, mais c'est impressionnant. C'est trop d'avoir de la chance comme ça. Darkzor qui reçoit le sub offert, c'est trop. Allez, touche qui va être jouée. Et merci Julien pour le reset. Bon match à toi Julien. Merci beaucoup frérot. Allez, dégagement joué. Déviation encore pour les Ivoiriens. Ça revient dans la moitié de terrain de la RDC. Nouvelle touche. Nouvelle touche dans leur moitié de terrain. Pour la RDC, inquiétant. Allez, nouvelle touche. On voit Mbemba qui vient de donner des consignes. À Kalulu. Allez, Kalulu. Pour jouer cette touche, retiens ton souffle. Non, ça va pas marcher. Allez, le jeu va repartir, touche qui va être jouée, c'est tout, on va l'accepter jusqu'à la fin. Allez, touche qui va être jouée. Ils prennent leur temps pour la jouer la touche, hein, les Congolais, ils prennent leur temps. Allez, la touche jouée, ça repart avec Pickle qui repart à droite aux 30 mètres. Récupération de Kalulu. Allez, Kalulu qui resserre Pickle pour Kalulu encore. Il repart à droite au milieu de terrain, c'est bien donné, ça repart latéralement avec Mbemba. La passe de Mbemba en retrait, la récupération devant leur surface avec le gardien, c'est récupéré encore une fois avec Mpassi. La passe de Mpassi latérale qui revient sur Inonga à gauche du rond central. Inonga qui peut avancer. Inonga toujours, la passe Inonga pour Ekerta à gauche du rond central. La bonne récupération, perte de balle et ça avance maintenant pour la Côte d'Ivoire. La passe de Fofana, elle va être déviée. Oh là là, l'énorme occasion ivoirienne sur une perte de balle congolaise. Allez, le dégagement du Congo. Et ça va être une touche pour le la Côte d'Ivoire dans leur moitié de terrain côté droit. Énorme occasion pour la Côte d'Ivoire. Vraiment énorme occasion.
Allez, touche qui va être jouée par les Ivoiriens. La touche qui va être jouée pour les Ivoiriens dans leur moitié de terrain côté droit. Allez, ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps pour la faire cette touche. Ils prennent leur temps. Allez, ça va être joué tranquillement. Allez, c'est joué et ça va être récupéré par Moutou Sami. La passe latérale, c'est récupéré de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Le ballon piqué et ça va ressortir en touche. Nouvelle touche pour la RDC. Nouvelle touche pour la RDC. Allez, nouvelle touche pour la RDC qui va être jouée à gauche au milieu de terrain. Elle va être jouée par Masuaku. Elle va être jouée par Masuaku cette touche. Allez, Masuaku qui va prendre son temps. Va prendre son temps, c'est joué. Et ça repart derrière, la bonne récupération encore à gauche au milieu de terrain. Allez, ça peut avancer tranquillement, il garde bien la balle. Le ballon piqué pour repartir devant la surface ivoirienne. Déviation de la tête. Allez, ça va être dévié pour la Côte d'Ivoire encore. La récupération de série, la tête de l'avant de série, c'est récupéré par Haller. Récupération encore pour la Côte d'Ivoire, Haller qui resserre Kessier dans le rond central. Allez, Kessier qui peut avancer, ballon piqué de Kessier en profondeur vers Adingra, c'est trop long. Et ça va être récupéré tranquillement, sans aucun problème, par Mpassi, le gardien congolais. Allez, la Côte d'Ivoire est plus dangereuse. La Côte d'Ivoire est plus dangereuse pour l'instant, mais attention, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Allez, la relance de Mpassi qui va être jouée. Il prend son temps, Mpassi. Allez, ça va être joué. C'est dégagé loin devant. Et ça va revenir devant le rond central, à la déviation de la tête. La bonne récupération encore. Allez, garde bien la balle. Et l'arbitre arrête le jeu parce qu'il y a une bousculade. Il y a une bousculade. Il y a une bousculade pour l'instant. Et ouais, ça va être une touche et ça repart maintenant pour la Côte d'Ivoire. La bonne récupération pour eux à gauche du rond central. Allez, bonne récupération tranquillement. Ils arrivent à conserver la balle. Ça repart à droite du rond central. La bonne récupération encore une fois à gauche du rond central pour la défense avec Boli. La passe de Boli vers l'avant. La passe de Boli pour écarter dans le rond central. Ça peut avancer encore aux 40 mètres dans l'axe pour les Ivoiriens avec Seri. La passe de Seri dans la surface. Elle va être déviée. Récupération congolaise. Ça repart devant leur surface et ça va être récupéré à droite de la surface. Long dégagement loin devant. La récupération à droite du rond central pour le Congo. Ça peut accélérer. La passe entrée de surface, c'est repris par Haller. Allez, Haller à gauche du rond central. La passe d'Haller pour écarter encore avec Kessier. Le crochet de Kessier entre deux joueurs. La passe de Kessier vers l'avant. C'est récupéré par les Congolais devant leur surface de réparation. Ils gardent bien la balle avec la bonne prise de balle de la part d'Inonga. Allez, Inonga, ça va se dégager. Ça revient à droite du rond central avec Bougonda. Bougonda qui peut accélérer. Il va écarter à droite au 25 mètres avec Elia qui reprend. Allez, Elia balle au pied toujours. Elia les passements de jambes. Le crochet d'Elia, ça revient entrée de surface. Il se fait bousculer. Il n'y a pas de faute. Pas de coup franc entrée de surface pour le Congo. Et ça repart maintenant pour la Côte d'Ivoire avec Fofana à gauche du rond central. Allez, Fofana balle au pied, il garde bien la balle et c'est bien récupéré à droite du rond central. De nouveau avec Gradel, la passe de Gradel pour Inno pour repartir avec Singo. Singo pour Haller à droite du rond central. Allez, Haller balle au pied, la passe d'Haller en retrait, ça repart avec Seri. La passe de Seri latéralement, ça va être redonné encore une fois à droite au 25 mètres. La bonne prise de balle de Seri. Seri, la passe latérale pour Singo. Singo à droite de la surface, il se fait tacler. Et il va pas y avoir de faute, mais il va y avoir touche pour la Côte d'Ivoire devant la surface. Va y avoir touche pour la Côte d'Ivoire. Touche ivoirienne à suivre. La touche ivoirienne à suivre qui va être jouée. Allez, la touche qui va être jouée en grande détente. Ils prennent leur temps pour l'instant. Tu peux me dire comment tu traites l'OM? Tu ne feras pas un TikTok sur mon dos, Séverine. Non, non, non. Non, non, non. Singo reste à terre. Mais il va y avoir corner. L'occasion pour la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. L'occasion pour la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, de ramener le danger et de ramener, pourquoi pas, l'ouverture du score. Et ouais, ça galère dans le jeu, hein. C'est dur dans le jeu. C'est dur dans le jeu. Allez, le couvre, le corner est joué à deux. Ça part à droite de la surface de son deuxième poteau. Mais c'est capté par Mpassi. C'est capté par Mpassi et dans tous les cas, Haller avait commis la faute. Haller avait commis la faute. Mais Mpassi l'avait récupéré quoi qu'il arrive. Allez, ça va pouvoir se dégager. Ça va pouvoir se relancer tranquillement. Le centre était bien fait, le centre était bien fait. Mais Haller a bousculé un petit peu Mbemba dans le dos. Il a bousculé un petit peu Mbemba dans le dos. Donc logiquement sanctionné. Et les gars, il manque 2 abonnés pour les 1 087 000 abonnés. Celui qui s'abonne, c'est le 1 087 000e. Merci à tous du fond du cœur. Franchement, vous avez tout cassé les gars. Du fond du cœur, merci à vous. Du fond du cœur, merci à vous. Allez, le dégagement va être joué. Le dégagement va être joué tranquillement. Allez, ils vont prendre leur temps. Allez, ça repart.
de nouveau pour les Congolais. À gauche au milieu de terrain, la bonne prise de balle. Le ballon piqué, ça va être dévié encore pour la Côte d'Ivoire. C'est récupéré à droite au milieu de terrain. La récupération à droite du rond central, ça repart vers Haller. Haller au 40 mètres, il repart devant le rond central. Avec Seri qui va écarter à droite de la surface. Ça repart avec Kessié, entrée de surface. Kessié, la frappe, quel arrêt. Ça va être repoussé, ça traîne encore de la surface. Contre le poitrine de Kessié. C'est récupéré, Kessié qui se bagarre, il tombe par terre. Il n'y a pas de pénalty. Récupération congolaise à gauche de la surface. L'énorme occasion ivoirienne. Même pas si intraitable pour l'instant. Pas si intraitable, très belle parade devant cette frappe de Kessié, entrée de surface légèrement côté droit dans l'axe. Intraitable, intraitable. Il y avait une situation pour le PSG aussi, mais Barcola s'en mêle un peu les pinceaux. Allez, le dégagement va être joué. Le dégagement va être joué tranquillement. Faut que les Ivoiriens tuent le match. Bah, tuer le match, ils ont même pas encore ouvert le score. Allez, touche qui va être jouée pour la Côte d'Ivoire devant la surface congolaise. Allez, tous jouer à deux. Allez, ça repart à droite de la surface, la passe latérale. C'est bien donné, ça va être centré, premier poteau. Ça va être repoussé de la tête et ça va être récupéré encore une fois. La touche, la touche pour la Côte d'Ivoire devant la surface congolaise, côté gauche. Allez, touche qui va être jouée par Konan. Allez, Konan, c'est joué, ça repart à gauche de la surface. La bonne récupération encore d'Adingra entre deux joueurs. Adingra, balle au pied, ballon va être dévié, nouvelle touche. Nouvelle touche pour la Côte d'Ivoire. Allez, nouvelle touche qui va être jouée tranquillement pour Adingra et par Konan. Allez, Konan, il prend son temps. Pour l'instant, Paris, on joue derrière tranquille. Allez, touche jouée avec Kessié à gauche de la surface. Allez, Kessié, balle au pied. Il garde bien la balle, la passe de Kessié pour revenir entrer surface. La frappe de Gradel, elle va être déviée. Ça va être récupéré, ça va être une nouvelle touche. De nouveau pour la Côte d'Ivoire, encore devant la surface congolaise. Mais côté droit cette fois-ci. Côté droit. Nouvelle occasion pour eux, nouvelle occasion, la Côte d'Ivoire pousse. Et va y avoir un double changement les gars, Amani va rentrer et Sangaré. Amani et Sangaré, double changement. Double changement. Double changement qui va avoir lieu. Allez, c'est Seri qui laisse sa place. Seri qui laisse sa place pour Sangaré. L'entrée de Sangaré. Et le deuxième changement, c'est Amani qui rentre, mais à la place de qui ? Seri lui laisse sa place et c'est Fofana. Fofana cède sa place également. Double changement, deux milieux de terrain cèdent leur place. Deux milieux de terrain cèdent leur place pour la Côte d'Ivoire. Allez, c'est deux changements pour l'instant. Ils vont essayer de tuer le match, hein, le plus rapidement possible. Je rappelle que si la Côte d'Ivoire va en prolongation, ils auront fait trois prolongations de suite. Ils auront fait trois prolongations de suite. Allez, on va voir ce que ça va donner. Il y a un corner pour le PSG aussi. Il y a un corner pour le PSG, mais il y a surtout une touche aussi pour Singo devant la surface congolaise. On n'a pas oublié. Allez, la touche qui est jouée. Et ça va être dévié. Ça va être un corner pour la Côte d'Ivoire. Le corner pour la Côte d'Ivoire. On va suivre le corner parisien pendant ce temps. Si on peut tuer le match, pourquoi pas. Bradley Barcola pour le frapper. Allez, Barcola, c'est frappé. Premier poteau. La tête, l'arrêt. Oh là 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 là. C'était bien frappé. Danilo, pas loin du doublé. Mais l'arrêt du gardien. Énorme situation parisienne. Énorme situation. Allez, et là Dembélé qui joue. Ouh, Dembélé pas loin de marquer aussi, nouveau corner pour Paris. Dembélé, gros travail sur le côté gauche. Et ballon arrêté par le gardien, nouveau corner pour Paris. Mais allez, corner, il voit rien. La tête, et elle va passer à côté. Elle va passer à côté cette tête. Elle va passer à côté cette tête. Et ça va être un 6 mètres. Ça va être un 6 mètres pour la RDC. Ils vont pouvoir se dégager, ils sont en souffrance, hein. La RDC est en souffrance. Alors est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'aux prolongations? C'est possible. Dans le match pour la troisième place, je ne le commande pas parce qu'il y a PSG Lille en même temps. Et là, je ferai PSG Lille. Et pour la finale, je la commande sur la chaîne YouTube de Winamax. C'est comme ma chaîne à moi, mais c'est Winamax avec Mohamed Denis. Et on sera, si jamais, pour le gagnant de ce match, pendant la finale. Si le Congo passe, on sera tous les deux pour le Congo. Si la Côte d'Ivoire passe, on sera tous les deux pour la Côte d'Ivoire. Et je commenterai le match avec le maillot de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais là, que le meilleur gagne. Allez, le jeu repart pour la RDC à gauche du rond central. Mais pour la finale, je le dis ouvertement, je serai pour l'équipe gagnante de ce match. Allez, ça repart à droite du rond central. Avec tout le respect pour le Nigérien. Avec tout le respect, mais moins d'accroche avec le Nigérien qu'avec Congolais ou Ivoirien. Allez, ça repart, récupération à gauche du rond central. La récupération latérale. Allez, ça revient sur Sangaré à droite du rond central. Allez, Sangaré qui garde bien la balle. Il repart derrière avec ce ballon récupéré
de nouveau par Singo. Singo pour Ekarta à droite au milieu de terrain, c'est bien donné. Allez, ça avance avec Gradel. La passe de Gradel qui repart derrière avec Singo, bonne récupération. La passe de Singo à gauche du rond central, c'est bien donné. Ça va revenir à gauche au milieu de terrain avec Konan. Allez, Konan, le ballon piqué pour partir dans le dos de la défense. Mais c'est récupéré par Kalulu. Récupération à droite au milieu de terrain encore, ça repart derrière avec Kalulu qui reprend. Le dégagement de Kalulu, ça revient à droite du rond central avec Bougonda. La passe de Bougonda latérale, récupération dans le rond central. Encore une fois, ils peuvent avancer. Ivan Ekarta à gauche au milieu de terrain, bonne récupération encore avec Masuaku. Allez, Masuaku toujours. Il garde la balle, Masuaku. Il va Ekarta à gauche du rond central. La bonne récupération encore d'Inonga. Inonga pour Chancel Mbemba à droite du rond central. Allez, Mbemba balle au pied. La passe de Mbemba, elle va être mal donnée. C'est récupéré de nouveau par Adjingra à gauche du rond central. Les passements de jambes d'Adjingra. Allez, ça pas avancé. Il garde bien la balle. Adjingra toujours. Il est en train de fixer. La passe latérale, elle va être déviée. C'est récupéré à gauche. Au 40 mètres, ça repart à gauche du rond central avec Caissier. La passe de Caissier pour Ekarta à droite au milieu de terrain avec Singo. Allez, Singo qui peut avancer. Singo à droite au 30 mètres. Il va Ekarta à droite de la surface. C'est bien donné. Le 1 contre 1 sur le côté droit. Le crochet. La poussée de balle. C'est passé. Ça va être centré au point de pénalty. Et la volée est à l'heure. Là, le ballon qui rebondit. Et ça passe sous la barre. La Côte d'Ivoire qui ouvre le score sur un but très bizarre. Un but très très bizarre. À l'heure qui met une reprise de volée. Et qui vient rebondir et lober le gardien. Et passer sous la barre. Le but est très 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 bizarre. Mais il y a 1-0 pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un pied en finale. À l'heure où on parle. La Côte d'Ivoire a un pied en finale. Je rappelle que le match de Paris est sur France 3, les gars. Allez, c'est pour ça que je suis un petit peu plus laxiste sur le commentaire. Il y a une grosse occasion pour Brest. Mais là, c'est impressionnant. La Côte d'Ivoire est en train de le faire. Ils sont en train de le faire, le bon travail sur le côté droit. Le centre, ça passe au-dessus de tout le monde. Déjà là, je me demande comment à l'heure reprend ça. Il met une reprise de volée tellement bizarre. Il met une reprise tellement bizarre à l'heure. Il lève sa jambe plus haut que tout le monde. Et ça rebondit, c'est trop bizarre. C'est Kalulu qui se rate. Il met une reprise latanaise, ça frappe à terre. Ça lobe le gardien. Ça rentre, ça passe sous la barre, ça lobe le gardien. C'est vraiment un but plein de réussite. Un but plein de réussite, mais vraiment plein de réussite pour la Côte d'Ivoire. Mais ils prennent, hein. Ils prennent clairement, ça fait 1-0. Ça fait 1-0 grâce à l'heure. Et à l'heure où on parle, la Côte d'Ivoire a un pied en finale. La Côte d'Ivoire a un pied en finale, mais rien n'est fini. Rien n'est joué jusqu'au bout. Vous le savez, tout est encore faisable. Tout est encore possible. Rien n'est terminé. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire, pour l'instant, a fait le plus dur. La Côte d'Ivoire a fait le plus dur à l'heure où on parle, mais rien n'est fait. Il reste encore 25 minutes. Il reste encore 25 minutes. Comment voir ton Insta, l'immigré parisien? Tu tapes l'immigré parisien sur Instagram, tu vas me trouver. Le but est dans ma story. Le but est dans ma story. Allez, touche pour le Congo devant la surface ivoirienne. Allez, c'est joué cette touche, ça va être dévié. Et ça va ressortir en touche. Nouvelle touche pour la Côte d'Ivoire. Pour le Congo, pardon. Nouvelle touche congolaise devant la touche, devant la cage. Devant la surface ivoirienne. Allez, c'est joué cette touche. Centre de Moutou Sami. Ça va passer au-dessus et ça va sortir en 6 mètres. Le 6 mètres pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vraiment fait le plus dur. Ils ont marqué sur un très très gros renfort. Ils ont fait le plus dur. Pour l'instant, ils avaient pris l'ascendant. Ils avaient pris l'ascendant, la Côte d'Ivoire, très clairement. Ils avaient pris l'ascendant, mais le centre de Gradel s'est récupéré derrière par Haller. Je ne sais même pas comment il reprend ce ballon. Mais il y croit, hein, parce que Kalulu, pour moi, il allait la reprendre. Ça rebondit et ça passe sous la barre. Il y a tellement de réussite dans ce but. Tellement de réussite, mais c'est comme ça. C'est la réussite ivoirienne depuis le début de cette Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire est en route pour la finale. Pour l'instant, rien n'est terminé. Rien n'est terminé, il reste du temps. Mais là... là, ça doit vibrer. Allez, ça repart pour les Ivoiriens à gauche au milieu de terrain. La bonne poussée de balle. Il garde la balle à gauche, 25 mètres. La passe dans la surface côté gauche. C'est bien redonné. Allez, il garde la balle avec Adjingra. La passe d'Adjingra en retrait. C'est bien refait. Ça va être centré au deuxième poteau. C'est repoussé de la tête et ça va être un corner pour la Côte d'Ivoire. Corner ivoirien, bonne défense de Masuaku. Mais corner pour la Côte d'Ivoire. En plus, la Côte d'Ivoire n'a pas Diabaté. Non, Diabaté. Diabaté ou Diakité? Diakité, je crois. Diakité. Et ils ont pas Kosonou. Il leur en manque deux. Il leur en manque deux, les gars. Il leur en manque deux. C'est impressionnant. Allez, le jeu va repartir. Et les gars, il manque deux abonnés pour les 1 087 200. Vous êtes en train de tout casser. Merci à vous. Allez, le jeu va repartir. Le dégât. Enfin, le corner va être joué. Le corner va être joué. Allez, ça s'élance. C'est frappé. Premier poteau, la tête. Elle passe juste au-dessus. Cette tête d'alerte. C'était la balle du chaos. Ah, c'était la balle du chaos.
C'était la balle du chaos, très clairement. C'était la balle du chaos, mais ça passe juste au-dessus. Ça passe juste au-dessus. Énorme occasion. Énorme occasion. Mais ça sort en 6 mètres. Le Congo n'est pas mort. Reste à failli marquer, mais la frappe est déviée. La frappe de Mounier est déviée par Marquinhos. Heureusement. Heureusement. Inquiétant encore. Hein. Brest, ils nous mettent en danger quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est Danilo qui dévie la balle. Je me disais à quoi il sert Marquinhos. Je me disais, ça me surprenait aussi. Allez, va y avoir un triple changement pour le Congo. Va y avoir un triple changement congolais. Alors, qui va céder sa place? Qui va rentrer? Mais là, les gars, il n'y a pas le droit à l'erreur dans tous les cas. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Sortie de Cédric Bakambu. Bakambu, il n'a pas marqué pendant la CAN, Bakambu. Il n'a pas marqué, les gars. Je suis pas fou. Il y a Bakambu qui sort, Wissa qui sort. Bakambu, Wissa. Et qui d'autre? Et Pickle. Bakambu, Wissa et Pickle. Voilà tous ceux qui cèdent leur place. C'est Bakambu, Wissa et Pickle. Allez, le jeu va repartir pour les RDC maintenant. Et ça repart devant leur surface de réparation. Bakambu, Pickle, Wissa. Pour l'entrée de Banza, Mayel et Tchibola. Triple changement du coup. Allez, le jeu va repartir. Encore une fois pour la RDC à gauche au milieu de terrain. Il garde bien la balle. Allez, ça va revenir à droite du rond central tranquillement encore pour les Congolais. La passe pour Ikarta à droite du rond central avec Bugunda. Ça revient à droite aux 40 mètres avec Kalulu. La passe de Kalulu à droite du rond central pour Mbemba. Allez, Mbemba pour Kalulu. Le crochet, il garde bien la balle. La récupération encore et ça repart derrière. Mais il y a faute et coup franc pour la Côte d'Ivoire dans leur moitié de terrain. Le coup franc récupéré par les Ivoiriens. Allez, le coup franc qui va être joué tranquillement dans leur moitié de terrain. Allez, bonne chance à vous les Congolais. Bravo à vous pour l'instant la Côte d'Ivoire. Bravo à vous les Ivoiriens pour le moment. Beau ce que vous montrez. Et il manque 2 abonnés pour les 1 087 300 les gars. Vous êtes en train de tout casser, vraiment merci à vous. Allez, le jeu repart derrière. La récupération avec le gardien. Ça repart à droite du rond central, c'est bien donné. Ça va revenir encore une fois avec la défense. La perte de balle, mais c'est récupéré à droite du rond central. De nouveau pour les Ivoiriens avec Boli. Allez, Boli, le ballon dégagé loin devant. Et ça va être dévié de la tête par Kalulu. Mais ça va revenir sur Haller. C'est une passe D. Le lob d'Haller. Ça passe à côté. Oh, Kalulu qui était à deux doigts de faire une passe décisive à Haller. La déviation de la tête, ça revient sur Haller tout seul. Qui veut lober, mais ça passe à côté. Ah ouais, il était avancé, le passe. Si c'est cadré, il y a 2-0. Hein. C'est cadré, il y a 2-0. Mais ça passe à côté. Haller, il en a raté. Haller, il en a raté, les gars. J'avoue que le Congo là a vraiment du mal dans ce match pour l'instant. Le Congo a vraiment du mal. Le Congo a du mal. Oh, Vitinha a failli mettre un banger, mais ça passe juste au-dessus la frappe de Vitinha pour Paris. Oh, il a failli mettre un banger. L'enroulé du droit entrée de surface là. C'était une belle récupération de Barcola. Bradley par contre, c'est trop. Allez, touche jouée. Ça va être dévié par la Côte d'Ivoire. Nouvelle touche pour le Congo devant la surface ivoirienne. Côté gauche. Allez, nouvelle touche qui va être jouée. Une nouvelle touche qui va être jouée tranquillement. Et elle va être jouée par Masuaku. Visage concentré de Masuaku, c'est jamais fini. C'est jamais fini les gars pour le Congo. Allez, touche de Masuaku dans la surface. C'est dévié, ça traîne dans la surface. Récupération congolaise, le centre. Ça réclame la main mais ils l'auront pas, ça va être corner. Ça va être corner pour le Congo. Ça va être corner et ils peuvent être dangereux. Ils peuvent être dangereux là-dessus. Le corner congolais qui va être frappé. La bonne opportunité pour eux. Allez, l'occasion d'égaliser. L'occasion d'égaliser et de revenir dans ce match sur coup de pied arrêté, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, le corner. Il est frappé, deuxième poteau. Personne ne peut le récupérer. Et ça va être récupéré en touche pour la Côte d'Ivoire devant leur surface côté gauche. Allez, touche ivoirienne. La touche pour la Côte d'Ivoire. Franchement, pour l'instant, les gars, faut dire la vérité. La RDC est décevante pour l'instant. La RDC est décevante. La RDC est vraie décevante pour l'instant. La Côte d'Ivoire a beaucoup de situations, mais ils n'ont pas tué le match. Hein. Ils n'ont pas tué le match, donc il en faudra une. Hein. Il en faudra une seule, hein. Pas 10 000. Une seule suffira pour la RDC. Une seule suffira. On verra ce qui va se passer. Mais là, tant que t'es pas à l'abri, tout peut se passer. Allez, le jeu. Qu'est-ce qui se passe là? Ils avancent avec le ballon dans les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre finalement? Je ne comprends pas tout.
ne comprend pas tout. Bon, ça y est, le jeu repart. Dégagement ivoirien, c'est récupéré pour le Congo dans leur moitié de terrain. La passe devant leur surface est récupérée par Masuaku. Allez, Masuaku, balle au pied, il peut avancer. Allez, le crochet, il garde la balle, ça revient à gauche du rond central. La bonne récupération, encore une fois, de la part de Mayel. Allez, Mayel, balle au pied pour Tchibola. Perte de balle, c'est récupéré par Aller au 30 mètres. Passe latérale d'Aller pour Kessier. Ballon dévié, Kessier tombe, il n'y a pas de faute. Ça revient sur Bougonda dans sa moitié de terrain. Bougonda, balle au pied. La passe au retrait de Bougonda, ça revient à droite de sa surface. La bonne récupération et le dégagement loin devant pour le Congo et le ballon sort en touche. La touche à gauche au milieu de terrain. Allez, touche qui va être jouée. La touche qui va être jouée. Allez, touche qui va être jouée tranquillement. Tac, tac, tac. Allez, le jeu va repartir. Le dégagement va être joué. On voit un Sangaré qui a reçu des consignes à l'écrire. Il a reçu des consignes sur un bout de papier, Sangaré. Et ça va être à lui de les mettre en place. Ça va être à lui de les mettre en place parce que ça doit être des consignes défensives surtout. Ça doit être des vraies consignes défensives. Et but brestois. Bah ouais, but de Brest. But de Brest, tête de Mounier, magnifique. Allez, on le savait, les gars. On le savait. C'est trop, c'est abusé. On fait tout le temps la même chose. 2-1, les gars. 2-1. 2-1, mais c'est trop, c'est tout le temps pareil. Encore un centre, on est trop nul sur les centres. On est trop nul, c'est une dinguerie, c'est tout le temps la même. C'est tout le temps pareil, vas-y, ça, ils me rendent fou. Pose fraîcheur, hein, côté Côte d'Ivoire, pose fraîcheur. Ils rendent fou, frère, la vérité, c'est abusé. Tout le temps, c'est la même. Tout le temps, c'est la même chose, c'est bon, on va faire encore 2-2 là. Putain. Ah, il casse la tête, voilà, il casse la tête. Ah, ils cassent la tête de ouf. C'est trop, frère. Tout le temps, ils font la même. Tout le temps. Pas rester un match tranquille, carrément. Allez, fin de la pause fraîcheur entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Fin de la pause fraîcheur. Ah si, ça va recommencer, Yael, je te le dis. Ça va recommencer. Le centre est parfait. On est trop nul sur centre. On est trop nul. Surtout avec Marquinhos. Allez, le jeu va repartir. S'il y a 2-2, je rigole. Bah, s'il y a 2-2, vous gagnez une PS5 surtout. Parce que je vous ai dit, s'ils nous remettent 2-2, les gars, PS5. Allez, le jeu va repartir. Les gars, là, je vais m'exprimer pour TikTok, les gars. Les PS5 sont gagnés sur YouTube, sur le chat YouTube. Donc, si jamais vous venez sur YouTube pour tenter votre chance. Allez, le jeu va repartir pour l'instant. Le jeu va repartir. C'est reparti côté Paris aussi. C'est trop, les gars. Tout le temps, on fait la même chose. Ça m'énerve, tout le temps on fait la même chose. Tout le temps c'est la même chose. En plus on avait, les gars, je vous ai dit quoi en première? On a les occasions pour tuer le match, on les met pas. Les barres, les poteaux, je vous ai dit quoi? On rate toutes nos occasions, on rate tout. C'est trop, bah. Allez Brest alors MD. Bah effrayant Donovan. Effrayant, c'est pas beau ça. Allez, le jeu va repartir en tout cas. Fin de la pause fraîcheur pour le Congo. Récupération pour les Ivoiriens dans le rond central avec la récupération de Gradel. Gradel s'est bousculé mais il n'y a pas de faute. C'est récupéré pour le Congo à gauche du rond central. Ça repart de nouveau avec ce ballon qui est repris par Moutoussami. Allez, Moutoussami, le ballon piqué. Le ballon va être récupéré à gauche du rond central. La bonne récupération latéralement. Ça revient sur Seri au 40 mètres. Le crochet de Seri. La perte de balle, récupération congolaise. Allez, ça peut avancer encore une fois. C'était Adingra, pardon. Allez, ça repart avec Bougonda à droite au 40 mètres. Bougonda entre deux joueurs, le ballon va être dévié. Et ça va être une touche et touche à droite au milieu de terrain pour le Congo. La touche à droite au milieu de terrain qui va être jouée. Allez, ils vont essayer de défendre là, la Côte d'Ivoire. Ils vont essayer de défendre. Allez, touche jouée, c'est récupéré par Konan. Le dégagement comme il peut, ça ressort en touche pour le Congo. Devant la surface ivoirienne maintenant côté droit. Allez, ouais PSG. Allez, touche qui va être jouée. Tranquillement, ils vont prendre leur temps pour la jouer. C'est Kalulu qui va la faire. Kalulu. Allez, c'est joué. Cette touche, ça va être centré, c'est repoussé. Ça revient en entrée de surface. La demi-volée, elle va passer à côté. Ça passe à côté, ça va être un 6 mètres pour la Côte d'Ivoire. Mais là, attendez, parce qu'Mbappé reste à terre, là, je suis inquiet. On a la Ligue des Champions dans une semaine. Hein. Dans 7 jours pile, c'est la LDC. Mbappé reste à terre. Ah ouais, il a pris une sale balayette. Hein. Mais il joue à quoi, l'arbitre? Il a pris une sale balayette, frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est rouge, frère. C'est quoi cette balayette de zinzin? Il a même pas mis de carton jaune. C'est un détraqué, l'arbitre. Allez, Elias, c'est de sa place pour le Congo. Elias, c'est de sa place, l'entrée de Silas. Allez, le jeu repart. Dégagement joué. Attention, Silas. Hein.
Attention à celle-ci, là c'est très fort en plus. Hein. Allez, le jeu repart. Le dégagement joué, ça va être une nouvelle touche pour les Congolais à gauche au milieu de terrain. Allez, nouvelle touche congolaise qui va être jouée. Allez, nouvelle touche, ils prennent leur temps. Allez, ça va être joué. Allez, ça va être récupéré à gauche au milieu de terrain. Allez, ça va être récupéré. Allez, ça va être récupéré à gauche du rond central. Récupération ivoirienne. Allez, c'est bien récupéré avec Caissier. Caissier balle au pied pour écarter à gauche au milieu de terrain avec Conan. La passe de Conan vers l'avant. Allez, c'est récupéré de nouveau à gauche au milieu de terrain. La passe en retrait, c'est bien récupéré encore avec Conan. La passe en retrait de Conan. La récupération devant leur surface, ça va être dégagé. C'est repris pour le Congo à droite du rond central. La déviation de la tête, c'est bien fait. Récupération encore pour les joueurs ivoiriens. Ça repart avec Haller dans le rond central. La passe d'Haller pour écarter à droite au milieu de terrain. L'ouverture est belle. C'est bien donné à droite aux 30 mètres. Ça peut accélérer encore avec Gradel, Gradel à droite de la surface, le crochet de Gradel, plein axe, entrée de surface, la frappe, elle va être déviée de la tête par la défense, ça va être dévié, Inonga va laisser passer, c'est récupéré par Mpassi, c'est récupéré par Mpassi. Et ouais, rouge pour Brest, j'avais vu le jaune, c'est un deuxième jaune, j'avais vu le jaune, j'avais pas vu qu'il avait déjà. Brest est à 10. Brest est à 10 les gars. Oh, oh merde. Oh quel dommage. Ah, oh, oh, oh putain, il nous a blessé Mbappé, je crois. Il nous a blessé Mbappé, les gars. Il nous a niqué Mbappé. Oh, il nous a niqué Mbappé. Oh non, oh ça, je fais la tournée sale. Oh, il nous a niqué Mbappé. Attendez, les gars, il nous a niqué Mbappé. Ah, c'est mort. Attends, il est debout, les gars. Il est debout, il est en train de boiter. Il est debout, il est en train de boiter. Il aurait dû avoir rouge avant, frère. Il aurait dû avoir rouge avant. C'est quoi ce bordel? Il y avait rouge avant. Il y avait rouge avant. C'est ça le problème. Il y avait rouge avant, les gars. Il aurait dû lui mettre le rouge avant. C'est abusé. Il aurait dû lui mettre le rouge avant et Asensio va rentrer pour... Ah, il remplace Dembélé, Asensio. Ah non, mais là, c'est abusé, là, par contre. Là, c'est abusé, là, par contre. Allez, touche pour le Congo à gauche au milieu de terrain. Ah non, mais là, c'est abusé, les gars. Il aurait dû lui mettre le rouge avant, mais c'est trop grave. C'est trop grave. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Non, mais c'est trop, les gars. La vérité, c'est trop. Toujours avant la Ligue des Champions. Toujours avant la Ligue des Champions, les gars. La vérité, c'est abusif. Allez, Mbappé, il se relève, il tire la grimace, mais il est debout. Dieu merci, il est debout. Il va tester sa cheville, les gars. Pour l'instant, Mbappé reste sur le terrain. Mbappé reste sur le terrain. Ah là, 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 s'il est blessé, par contre, là, c'est indéfendable pour l'autre. Allez, ça repart pour la Côte d'Ivoire. À droite, au milieu de terrain. Allez, ça repart derrière le ballon qui est bien récupéré à droite du rond central avec Sangaré. Il aurait dû avoir rouge avant. Et au final, il fait un deuxième tacle qui a deux doigts de blesser Mbappé. C'est une dinguerie, par contre. C'est une dinguerie, ces arbitres de merde là tout le temps. Les arbitres en Ligue 1, c'est écœurant, ça rend fou. Ils sont pires qu'en Coupe d'Afrique. Ils sont pires qu'en Coupe d'Afrique. Allez, ça repart, ballon récupéré encore devant leur surface pour les Ivoiriens avec Ndika. Allez, Ndika balle au pied. Le ballon piqué d'Ndika pour Kerta à droite aux 40 mètres. Déviation de la tête pour le Congo, c'est repris pour la Côte d'Ivoire. Bon jaillissement sur le côté droit de Singo. Singo à droite de la surface, il pousse sa balle. Singo le centre en retrait, ça revient sur Gradel. Gradel le contrôle est un peu mauvais. Récupération congolaise, il n'y a pas de faute. Et ça repart pour la Côte d'Ivoire. Allez, ça repart à droite du rond central avec Bougonda. Bougonda est passé, le face à face. Bougonda, il va rentrer dans la surface, mais il perd la balle. Il perd la balle, très bon retour de Conan. Très bon retour de Conan. Très très bon retour de Conan qui récupère. Ah, très bon retour de Conan et ça repart de nouveau à gauche au milieu de terrain avec ce ballon qui est bien récupéré avec Bamba. Allez, Bamba qui repart derrière, la bonne récupération encore de Sangaré. Sangaré pour écarter à gauche du rond central. Ça se fait bousculer, il y a faute, le coup franc à gauche du rond central. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. Mbappé, ça a l'air d'aller, les gars. Mbappé, ça a l'air d'aller. Je le vois pas taper d'accélération pour l'instant. Mais ça a l'air d'aller. Mais par contre, ce qu'il lui a fait, frérot. Sa cheville, comment elle a tourné, frérot. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie ce qu'il lui a fait. C'est une dinguerie. Allez, le jeu repart. Coup franc joué pour la Côte d'Ivoire. Allez, ça va revenir à gauche du rond central. Là, il y a faute et il y a coup franc pour le Congo à droite du rond central. Le coup franc, il va rester 7 minutes au Congolais pour espérer revenir. 7 minutes au Congolais pour espérer revenir dans ce match. Allez, ils ont 7 minutes. Ils ont 7 minutes.
Ils ont 7 minutes les Congolais, allez ça va repartir de nouveau. À gauche du rond central et ça repart avec Mbemba au 25 mètres. À droite du rond central pardon. Allez Mbemba, Asensio pas la marquer. Ballon piqué de Mbemba dans la surface. Déviation de la tête, c'est récupéré par Konan à gauche de sa surface. Allez Konan balle au pied. Le dégagement de la part de Konan. Ça va revenir au milieu de terrain. La matière d'alors pour écarter à gauche du rond central. C'est bien récupéré encore et ça peut accélérer dans l'axe aux 30 mètres. Les passants de jambes qui s'enchaînent avec Lazare. Lazare le crochet. Frappe de Lazare et ça passe à côté, 6 mètres pour le Congo. 6 mètres pour le Congo, la frappe passe à côté. Allez, le 6 mètres, ça passe, le 6 mètres va pouvoir être joué pour le Congo. Et les gars, il manque un abonné pour les 1 087 600 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vraiment vous êtes les gars out. Celui qui s'abonne, c'est le 1 087 600ème. Merci à tous les gars, vraiment vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Oh, attendez, parce qu'il y a un coup à jouer pour Brest. Oh, misère, dans la surface. Oh, c'est récupéré, c'est bon. Allez, le jeu repart. Récupération congolaise, ça va être le coup franc qui va être joué du coup à gauche du rond central. Allez, ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps et ça va être joué tranquillement sur le côté gauche par Kalulu. Allez, Kalulu qui prend son temps. Allez, Kalulu s'est frappé pour repartir devant la surface ivoirienne. Déviation de la tête. La bonne récupération, récupération devant le rond central. Duel de la tête encore, c'est dévié. Bonganda reprend. Mais c'est récupéré pour la Côte d'Ivoire devant leur surface. Récupération congolaise. Mais c'est récupéré pour la Côte d'Ivoire avec Gradel dans sa moitié de terrain côté droit. Gradel qui va avancer. Et Gradel se fait bousculer. Il y a faute. Le coup franc pour la Côte d'Ivoire. Il reste 6 minutes. Hein. 6 minutes à jouer, un peu moins de 6 minutes à jouer dans ce match. Un peu moins de 6 minutes et on voit Fofana qui demande au public de faire du bruit. Lui qui est sur le banc de touche, il demande au public de faire du bruit. La Côte d'Ivoire est en route pour la finale. Alors qu'on voit le visage fermé de Pickle sur le banc pour la RDC. Allez, rien n'est terminé, hein. Rien n'est terminé, rien n'est joué, rien n'est fini. Allez, ça va repartir, le ballon dégagé loin devant pour la Côte d'Ivoire. Ça repart à droite de la surface, contrôle raté, ça va être un 6 mètres pour le Congo. 6 mètres pour le Congo, ils vont pouvoir se relancer et ramener le danger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, le jeu va repartir. On commentera la fin du PSG, bien sûr. J'ai été choqué par les deux fautes sur Mbappé. Il y a deux rouges, il y avait rouge avant, c'est impressionnant qu'ils ne le mettent pas à l'arbitre. Mais les arbitres, de toute façon, dans ce championnat, on a l'habitude. À l'habitude, mais une palayette laser à Mbappé, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, le jeu repart à gauche du rond central. Allez, c'est récupéré pour le Congo. La passe pour écarter à gauche au milieu de terrain, c'est récupéré de nouveau par les Ivoiriens. Et il y a faute, coup franc pour la Côte d'Ivoire à droite du rond central. Le coup franc pour la Côte d'Ivoire. Allez, le coup franc qui va être joué. Les gars, franchement, le Congo, c'est l'un des pires visages qu'ils aient montré dans cette CAN. Il y a le match contre la Tanzanie et il y a celui-là, clairement, où le Congo fait vraiment pas le figure. Là, je reconnais pas le Congo. Je reconnais pas le Congo que j'ai vu pendant les poules, pendant le 8ème, pendant les quarts. Je reconnais pas le Congo que j'ai vu. Je reconnais pas ce Congo-là. Là, ils sont en train de montrer l'un des pires visages de... C'est l'un de leurs pires visages de la CAN. Ça se tape avec le match contre la Tanzanie. Mais vraiment, j'en rajoute pas. Et la Tanzanie, c'était déjà atroce. Allez, le ballon piqué, ça va être mal donné. Ça va être une touche pour le Congo. Devant leur surface, côté droit. La touche qui va être jouée par Kalulu, mais il en suffit d'une. On sait jamais. Ouais, heureusement Mbappé ça va. Allez, touche de Kalulu qui va être joué. Allez, il va prendre son temps Kalulu. Tranquillement, c'est joué cette touche. C'est récupéré de nouveau pour la Côte d'Ivoire à gauche du rond central. À leur déviation de l'épaule. C'est récupéré encore devant leur surface de réparation pour les Congolais. Ça peut avancer tranquillement à droite du rond central. Allez, ça écarte avec Bougonda. Bougonda entre deux joueurs. Il perd la balle. Récupération ivoirienne et ça va sortir en touche pour le Congo à droite au milieu de terrain. Touche congolaise, bien récupérée par Bougonda. Allez, ça va être joué, c'est Kalulu qui va la faire. Kalulu pour la faire. Kalulu pour la faire cette touche. Ougarté rentre pour Paris. À la place de Bradley Barcola. Allez, touche jouée. Ça repart à droite au milieu de terrain, la bonne récupération. Le ballon piqué devant la surface. Déviation de la tête et ça va être récupéré. De nouveau par Fofana, le gardien. Le gardien ivoirien. La Côte d'Ivoire qui a toujours son pied, les gars. Toujours son pied dans les... en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est pour l'instant sur un Nigeria-Côte d'Ivoire en finale de la CAN. Je la commenterai sur Winamax avec Mohamed Eni, n'oubliez pas. Pas sur ma chaîne YouTube, c'est le dernier match que je commande sur ma chaîne, celui-là de la CAN. C'est le dernier. Samedi, je fais pas la troisième place parce qu'il y a PSG Lille. Et la finale, je la commande sur la chaîne YouTube de Winamax avec Momo Eni. Et on sera pour l'instant tous les deux pour la Côte d'Ivoire. On sera tous les deux pour la Côte d'Ivoire. Donc n'oubliez pas, je serai pas sur ma chaîne si vous me cherchez. Mais sur celle de Winamax, c'est la même que moi. C'est pareil, ça change rien. La chaîne, c'est pareil que moi, sauf que c'est sur la chaîne de Winamax. Allez, le dégagement joué. La récup. De toute façon, je vous mettrai le lien dans l'onglet communauté, Instagram, tout ça. Allez, ballon dégagé, ça va être une touche. Nouvelle touche pour le Congo à gauche, 25 mètres. Nouvelle touche congolaise, il reste 2 minutes à jouer, on verra le temps additionnel.
Nouvelle touche congolaise, rien n'est fini, rien n'est terminé. Tout est encore possible. Allez, la touche est jouée. Ça repart à gauche du rond central pour les Congolais. La bonne récupération encore. Allez, ça peut avancer, balle au pied pour eux. Tranquillement à gauche aux 40 mètres. La passe pour Ikarta à gauche au milieu de terrain, c'est bien donné. Ils vont repartir à gauche du rond central avec Moutoussamy qui reprend. Allez, Moutoussamy, balle au pied. Moutoussamy va Ikarta à droite du rond central. La bonne récupération encore, c'est bien fait. Allez, ils vont Ikarta à droite aux 25 mètres avec Kalulu qui récupère. Kalulu, balle au pied toujours. Le centre de Kalulu, déviation de la tête. Et ça va être repoussé par la défense. Et ça va revenir au milieu de terrain, c'est repris encore pour les RDC. La bonne récupération, le ballon piqué pour Ikarta à droite au milieu de terrain, c'est bien récupéré encore. Et ça va être une faute, et il y a coup franc pour la Côte d'Ivoire à gauche au milieu de terrain. Coup franc pour la Côte d'Ivoire alors que Gonzalo Ramos remplace Fabian Ruiz. Allez, coup franc pour la Côte d'Ivoire qui va être joué. Le coup franc ivoirien, l'occasion pour eux. Allez, ça va se dégager tranquillement. Pour l'instant, ils y sont, on verra le temps additionnel. J'ai hâte de voir le temps additionnel. J'ai hâte de voir, mais honnêtement, pour l'instant, le Congo dans le danger, ils y sont pas. Allez, Boga et Crasso vont rentrer. Double changement pour les Ivoiriens. Boga et Crasso. Alors, Boga va sûrement rentrer à la place de Gradel. Où Boga va rentrer. Boga et Crasso. Donc, Boga rentre. Crasso va remplacer à l'heure. Crasso va remplacer à l'heure. Allez, Crasso remplace à l'heure. Et le dernier changement, bien évidemment, c'était celui de tout à l'heure, c'était la sortie d'Adingra. C'était la sortie d'Adingra pour l'entrée de Bamba. L'entrée de Bamba. Allez, et c'est... Ouais, c'est bien Gradel qui laisse sa place pour Boga. C'est bien Gradel qui laisse sa place pour Boga. Allez, ils sont en train de le faire, les gars, pour l'instant. Ils sont en train de le faire, cette équipe qui a été éliminée jusqu'à la dernière journée de la CAN en phase de poule. Qui a sorti le Sénégal, sorti le Mali. Ils sont en train de sortir la RDC pour l'instant. Allez, ça repart. Coup franc joué. Allez, c'est récupéré à gauche de la surface avec Boga, justement. Allez, Boga balle au pied. Boga qui accélère, il passe entre deux joueurs. Boga toujours, il sort le ballon. Ça sort en 6 mètres. On va voir le temps additionnel. 6 mètres à suivre. 6 mètres à suivre. Combien de temps additionnel? Alors ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Combien de temps additionnel dans ce match? 6 minutes, j'imagine. 6. Il n'y a pas eu énormément d'arrêt de jeu, en vrai. Et ça sera 5, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, franchement ça m'étonne pas. Allez, le Congo a 5 minutes pour revenir dans ce match. Le Congo a 5 minutes. Allez, ça repart pour la Côte d'Ivoire à droite aux 40 mètres. La récupération ivoirienne, ça prend une balayette. Le crochet aux 25 mètres, c'est bien fait. Caissier, la passe dans la surface. Oh, le tac par derrière. Et il n'y a pas de pénalty. Il y a corner. Ouais, quoi? Pas de pénalty sur Amani. Bon, après, il réclame pas le pénalty. C'est un bon tacle? Ah, c'est un super tacle. Effectivement, c'est un super tacle. C'est un super tacle, très bien arbitré. Très 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 bon tacle, rien à dire. Effectivement, très bon tacle. Allez, le corner qui va être joué. Le corner qui va être joué pour la Côte d'Ivoire. Le corner qui va être joué pour les Ivoiriens. Allez, c'est l'occasion pour eux. C'est l'occasion pour eux. L'occasion de frapper ce corner. Allez, c'est joué à deux. Ils temporisent le poteau de corner et ils ont raison, les gars. Ils grattent du temps. Allez, ils sont par terre. Et ça va sortir et ça va être un 6 mètres pour le Congo. 6 mètres pour le Congo. Ils vont pouvoir repartir de l'avant, les Congolais, maintenant. Ils vont pouvoir repartir de l'avant, les Congolais. Allez, ça va repartir de l'avant tranquillement. Incroyable, les Ivoiriens, ils reviennent de loin, de très loin. De très loin. Mais c'est pas terminé. Allez, ça repart pour le Congo devant leur surface avec la récupération d'Inonga. Allez, Inonga devant sa surface. Inonga qui peut avancer, ballon piqué d'Inonga. Il repart aux 25 mètres, déviation de la tête. De nouveau pour les joueurs ivoiriens. Allez, ça va être dévié. C'est récupéré par Bongonda. La déviation de la tête, récupération de Bongonda aux 30 mètres. Ça revient en trait de surface. La demi-volée, elle va passer au-dessus. Elle va passer au-dessus. Mbappé peut pas la mettre, un sacré but, mais c'est bien arrêté par le gardien. Allez, ça passe au-dessus, 6 mètres pour la Côte d'Ivoire, ils vont se dégager, les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire qui est en route pour la finale pour l'instant. Les éléphants qui sont en train de faire fuir les léopards. Les éléphants qui sont là et qui vont rejoindre la finale devant leur public pour l'instant. Rien n'est fait, rien n'est fini. Ça a été touché, il y a corner ou quoi? Ouais, ben 6 mètres. Ça a été touché. Non, ça n'a pas été touché. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant... Boga avait mis son t-shirt à l'envers, il était prêt à rentrer, c'est ouf. Allez, le dégagement va être joué. Long dégagement ivoirien. Allez, ça va sortir et ça va être une touche à droite aux 40 mètres. La touche, les gars, je rappelle qu'avant la CAN, j'avais dit champion d'Afrique, Côte d'Ivoire, équipe surprise, minimum demi-finale, Afrique du Sud.
Donc on verra les gars, on verra. Mais franchement, pour l'instant j'ai vraiment été pas mal. Incroyable, incroyable. Allez, le coup franc va être joué. Maintenant pour la Côte d'Ivoire à droite au 40 mètres, c'est Singo qui le récupère. Allez Singo, allez Singo. Allez, ça va être frappé dans la surface, c'est raté. Et c'est récupéré par le gardien. Le gardien congolais Alain Passy qui va se relancer. Long dégagement de Mpassi, rien n'est terminé, il reste 2 minutes. Hein. Allez, ça revient à droite aux 30 mètres. Le sombrero tenté, ça passe, c'est récupéré à gauche de leur surface. Très bon travail des joueurs ivoiriens. Ça revient latéralement avec ce ballon repris par Caissier. Ballon piqué de Caissier, c'est récupéré à gauche du rond central. Ça repart à droite du rond central maintenant. La bonne récupération pour la Côte d'Ivoire avec Singo qui avance. Allez, Singo, balle au pied. La passe de Singo en profondeur, pas de hors-jeu. Le face-à-face, le crochet, il n'y a plus de goal. Le centre rentrée, c'est dévié. Et corner pour la Côte d'Ivoire. C'était la balle du chaos. Il n'y avait plus de gardien, mais il n'avait pas l'angle de frappe. Il n'avait pas l'angle de frappe, Bamba. Il a été obligé de centrer en retrait. Il a été obligé de centrer en retrait, mais c'est dévié par Inonga. C'est dévié par Inonga, les corners. T'inquiète Sacha, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. C'est vrai, tu l'avais dit, ouais, tu l'avais dit. Mais dégoûté pour la RDC pour l'instant, mais content pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que moi, je mets le maillot toujours là, je le mets pas aujourd'hui. Je le mets pas aujourd'hui, mais je mets toujours le maillot de la Côte d'Ivoire normalement quand il joue. Allez, le jeu repart, le corner va être joué. Le corner, Mbappé rate encore un face-à-face. Allez, corner, joué à deux, ils vont gagner du temps. Caissier garde la balle au poteau de corner. Ballon dévié, nouvelle touche pour la Côte d'Ivoire. Nouvelle touche, il reste 30 secondes. La Côte d'Ivoire est à 30 secondes d'une finale. À la maison, devant son public, devant ses supporters. La Côte d'Ivoire en est à 30 secondes, un nouveau rêve. 9 ans après leur dernière Coupe d'Afrique, pourquoi pas. 9 ans après leur dernière finale de Coupe d'Afrique, leur dernière Coupe d'Afrique remportée. 9 ans après, pourquoi pas, est-ce le moment? On va le savoir. Allez, touche jouée, ça va être dévié, ça va sortir en 6 mètres. Le 6 mètres pour la RDC. Le 6 mètres. Et c'est terminé. C'est terminé. La Côte d'Ivoire rejoint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire l'a fait. 9 ans après, les éléphants qui font le coup du marteau pour rejoindre la finale. Les éléphants ont fait fuir tout le monde. Les éléphants ont fait fuir les lions. Les éléphants ont fait fuir les aigles. Et les éléphants ont fait fuir les léopards. Le roi de la jungle est un lion. Prévenez-les. Le roi de la jungle est un lion cette année. Est un éléphant cette année, pardon. Le roi de la jungle est un éléphant cette année. Allez les prévenir et bravo. La Côte d'Ivoire rejoint la finale. 9 ans après leur dernière demi, leur dernière finale en... En 2015, face au Ghana. Face au Ghana. Eh ouais, eh ouais. Eh ouais, et là, on le voit du coup. La Côte d'Ivoire, et c'est ce match-là du coup qu'on commentera sur Winamax. La Côte d'Ivoire face au Nigeria. La Côte d'Ivoire face au Nigeria, ça va être un match. Les gars, remake des poules, hein. Qui l'eût cru? C'est le remake des phases de poules. Les gars, vous la... je sais qu'il y en a qui ont oublié. Je sais qu'il y en a qui ont oublié. Mais il y a eu ce match en poule. Il y a eu ce match en poule. Le Nigeria avait gagné 1-0. Il y a eu ce match. Je sais qu'il y en a qui ont oublié, les gars. Je le sais. C'était en poule, ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés, il y a eu victoire du Nigeria 1-0. Victoire du Nigeria 1-0. Mais bon, les choses ont changé depuis. Les choses ont changé depuis. Les choses ont changé, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner en tout cas. Je rappelle les gars que pour la Team Cannes, je ne commenterai pas le match pour la 3ème place, désolé. Il y a Paris qui jouera contre Lille. Mais je commenterai la finale sur la chaîne YouTube de Winamax. N'oubliez pas, chaîne YouTube de Winamax, je commenterai la finale. Bon, avant de parler de tout ça, les gars, je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin du match de Paris. Il reste 3 minutes pour Paris. Comme ça, je peux vous remercier pour la Cannes, les gars. Vraiment, je vous demande de rester. Comme ça, je vais pouvoir vous remercier, s'il vous plaît. Restez. 3 minutes, on finit le match de Paris. On finit le match de Paris. Et je remercie tout le monde juste après, les gars. On va parler un petit peu de tout ça. Juste, on finit Paris. Il reste 3 minutes, tranquille. Allez, le jeu repart pour Paris avec Beraldo à gauche au milieu de terrain. La passe de Beraldo pour Gonzalo Ramos à gauche de la surface. Ça revient sur Mbappé. Mbappé l'enroulé. Elle va passer au-dessus, c'est enroulé. Ça va être un 6 mètres pour Brest. Mbappé en a eu beaucoup. Mbappé en a eu beaucoup. Mbappé en a eu beaucoup des situations. Mais ça va passer au-dessus. Ça va passer au-dessus. Toujours 2-1 pour l'instant. Ils sont à 10 les Brestois. Mais en tout cas ça va, heureusement qu'Mbappé n'est pas blessé. Parce que je vous le dis, il y en a beaucoup, on serait quasi tous blessés là. Avec ce qu'il a pris.
Allez, le jeu repart. Long dégagement encore du gardien avec Kouder. Ça va revenir au milieu de terrain. Récupération de la poitrine d'Hakimi. La passe d'Hakimi en retrait pour Marquinhos. Allez, Marquinhos, il garde bien la balle. La passe latérale de Marquinhos pour Danilo Pereira. Allez, Danilo qui va écarter à droite latéralement. La récupération encore de Vitinha. Ça repart derrière avec Marquinhos. Ça repart à droite du rond central. Le crochet de la part d'Ougarté. Ougarté qui peut avancer. Il va écarter avec Zaïre Emery à droite au milieu de terrain. Zaïre Emery pour Hakimi. Hakimi à droite au 30 mètres. La passe dans la surface. Il s'est pas entendu avec Asensio. Il s'est pas entendu et ça va être capté par Kouder. Ouais, le match est sur France 3. Le match est sur France 3. Allez, la relance qui va être jouée. La relance qui va être jouée tranquillement. Bravo les Ivoiriens, bravo à vous. Et force à vous les frérots congolais. Force à vous. Mais de toute façon, on s'en occupe dans quelques instants. Allez, le jeu repart avec Kenny Lala pour les Brestois. Allez, Kenny Lala, il est pressé. Il va perdre la balle, mais il y a faute. Coup franc pour Brest dans leur moitié de terrain. Le coup franc pour Brest. Allez, surtout pas le prendre maintenant. Les gars, je rappelle que si on se fait égaliser, c'est pénalty. C'est tir au but, les mecs. C'est tir au but. Il n'y a pas de feinte, pas de je sais pas quoi. C'est tir au but si on se fait égaliser. Allez, le dégagement qui va être joué. La relance qui va être jouée encore pour les Brestois tranquillement. Allez, ça va être dégagé. Ça va être dégagé par Kouder. Je suis content pour vous, les Ivoiriens. Voilà, je suis vraiment content pour vous. Vraiment content pour vous. Vraiment. Allez, le dégagement joué. Ça va être récupéré de la tête. Et c'est repris par Donnarumma. Dans notre surface de réparation et Donnarumma gagne du temps. Donnarumma gagne du temps. Allez, ça va pouvoir se relancer. Il a une sacrée calvitie, Donnarumma, en vrai. Il a une grosse calvitie, Didjo. Il a une vraie calvice. Allez, le jeu repart. Marquinhos qui est servi. Long dégagement de Marquinhos. C'est récupéré par les Brestois. Ça revient à gauche du rond central pour eux. La bonne prise de balle de Loco. Loco qui accélère. Il va écarter à gauche aux 40 mètres. C'est récupéré par Martin. La passe de Martin pour servir Loco. À gauche de la surface. Loco qui va centrer. Ça va être dévié. Loco récupère encore à gauche de la surface parisienne. 4 minutes de temps additionnel. 4. Allez, ça revient encore avec Martin. Martin qui arrive à se retourner. La passe latérale de Martin. Ça revient à droite aux 30 mètres. Enfin, dans l'axe aux 30 mètres. La passe pour écarter à gauche du rond central maintenant. Ça revient à gauche aux 40 mètres. La bonne récupération, ça repart avec Loco. Le 1-2 qui est tenté mais récupère à son doigt Rennes. Ça resserre Gonzalo Ramos mais ça passe mal donné. Mais il y a faute sur Ramos et coup franc pour nous dans notre moitié de terrain côté droit. Allez, coup franc récupéré. Le coup franc récupéré pour le PSG en détente. Et les gars, il manque 2 abonnés pour les 1 088 000 abonnés. Celui qui s'abonne, c'est le 1 088 000ème abonné de la chaîne. Merci à vous les gars, vraiment vous êtes des héros. Allez, coup franc joué pour Paris et ça repart pour Brest à gauche de la surface. Le ballon pique est entré de surface, la volée elle va être ratée. Les Parisiens récupèrent, on récupère tranquillement, il n'y a pas de faute. Allez, ça revient encore avec Zaïre Emery devant notre surface. Zaïre Emery la passe à gauche du rond central pour Mbappé. Allez, Mbappé qui est en train de fixer. Mbappé balle au pied, Mbappé qui garde la balle, il est en train de fixer tranquillement. Il reste 3 minutes à jouer, crochet d'Mbappé. Il passe entre deux joueurs, il en passe un troisième. Mbappé au 25 mètres. Mbappé, il veut pas frapper. La remise à Asensio, la remise à Hakimi, le centre à Hakimi, la reprise. Goal! Goal! L'action de grande classe! L'action de grande classe! L'action magnifique! Et le 3-0 grâce à Gonzalo Ramos! Goal! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Oh, l'action de fou! Quel travail d'Mbappé! Quel travail d'Mbappé. Mbappé qui temporise bien. Il resserre parfaitement Asensio. Asensio pour Hakimi. Hakimi qui vient centrer. Et ça revient sur Gonzalo Ramos qui pousse. Le ballon dans le but vide. Une action collective magnifique. Une action collective magnifique, les gars. Franchement, là, c'était une action collective de grande classe. Action collective extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien et Gonzalo Ramos buteur en plus. Lui qui joue pas beaucoup, lui qui a pas beaucoup de temps de jeu. Lui qui doit utiliser que des miettes tout le temps. Tout le temps. Il doit grailler que des miettes. Allez, ça va repartir. Ça va repartir de nouveau. Allez, le jeu repart pour les Brestois à droite du rond central. Allez, il garde bien la balle. Demain, il y a le tirage des cartes, tu les feras. C'est demain ? C'est demain le tirage des cartes ? À quelle heure ? Il y a peut-être moyen. C'est demain les gars. Allez, le jeu repart. Le ballon qui est récupéré. Bah ouais, je crois qu'il y a moyen. Demain tirage à 20h. Oui, 20h. Ok. Bah live peut-être à 19h. Je vais voir avec la Lune. Allez, le jeu repart. La récupération à droite du rond central. Allez, la passe latérale. Ça va revenir à droite au milieu de terrain pour les Brestois. Mais il y a retour de hors-jeu. Retour de hors-jeu. Ouais, il y a moyen les gars. Il y a moyen que je le fasse du coup.
Franchement, il y a de fortes chances que je sois là. Le live, je le programmerai du coup demain dans la journée si je le fais. Je le programmerai demain dans la journée. Mais il y a de très fortes chances que je sois là, ouais, pas de soucis. Allez, le dégagement joué pour Paris. Récupération brestoise, mais c'est récupéré pour Paris de nouveau. Allez, nouvelle touche à droite aux 40 mètres, c'est joué pour les Brestois. Récupération parisienne, ça revient à gauche du rond central. Allez, c'est bien gardé avec ce blanc qui revient sur Vitinha. La passe vers l'avant, vers Mbappé. Mbappé attaque pas sa balle. Récupération brestoise, il reste 20 secondes à jouer. La passe latérale, c'est dévié encore par Hakimi. Hakimi, ça fait du bien, bordel, qu'il soit là. Allez, c'est bien récupéré encore pour les Brestois dans le rond central. Allez, ça avance pour eux. Ils gardent bien la balle. Le tranquillement à gauche aux 40 mètres. Ça repart à gauche du rond central. Et en plus, Brest, les gars, pas facile à jouer. Franchement, les gars, chapeau Brest, hein, malgré les embrouilles qu'il y a pu avoir avec les supporters et tout. Chapeau Brest, hein, pas facile à jouer cette équipe de foot. Allez, le dégagement joué. Récupération de Marquinhos. Tête en retrait vers Donnarumma, c'est récupéré. Allez, ça va être la fin du match tranquillement. Et ça sera une victoire 3-1 du PSG en grande détente. La relance de Donnarumma. Et c'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain. La soirée est donc grandiose. On rejoint les quarts de finale de la Coupe de France en mode magnifique. Prochain match contre Lille qu'on commentera à fond. Et bien sûr la Sociedad mercredi prochain. Dans une semaine les gars, c'est la Sociedad. Dans une semaine c'est la Sociedad. Dans une semaine. Victoire parisienne, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et le tirage de la Coupe des Nations, bah il y a moyen que je fasse la Coupe de France. Il y a moyen que je fasse la Coupe de France, mais Coupe des Nations, non, je pense pas. Je pense pas. Coupe de France, je pense. Là, je vous le dis, je pense que je serai là pour le tirage de Coupe de France, les gars. Je pense que je serai là pour le tirage de Coupe de France. Ouais, pour le coup, ouais. Il y a le tirage aussi de la Ligue des Nations demain. Ouais, mais Ligue des Nations m'intéresse un peu moins, je vais pas de mytho. Je vais pas de mytho. Il y aura quand même un débrief. Ouais, je pense que je vais faire un débrief, les gars. Je pense que je vais faire un débrief. Il y aura débrief ce soir et du coup, le live demain. Live demain, Coupe de France. Bon, les gars, juste attendez. Avant de parler de Paris rapidement et on va revenir sur Côte d'Ivoire-Congo, les gars, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont vécu la CAN avec moi, qui ont vécu cette aventure de la CAN avec moi. Tous ceux qui ont été présents, les gars, même de ceux qui me suivent en général, les gars. Tous ceux qui ont été présents, les gars, parce que je le répète encore une fois, mais comme un symbole, on a passé le million pendant la CAN, on a passé le million juste avant un match de Paris. Donc tout ça c'est symbolique. Merci à vous parce que tout ça c'est grâce à vous. Mais vraiment les gars, pour ceux qui me suivent que pendant les périodes de CAN, je vous remercie. Parce que c'est le dernier match de CAN que j'ai commenté sur ma chaîne. C'est le dernier match de la CAN. Parce que je le répète encore une fois, et c'est pour ça que j'ai commenté Congo Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que je voulais terminer un petit peu en beauté. Mais voilà, je ne ferai pas le match pour la troisième place vu qu'il y a Lille PSG en même temps et je ferai Lille PSG bien évidemment. Et dimanche, eh ben, la finale, je la commande sur la chaîne YouTube de Winamax avec Mohamed Denis et on sera tous les deux pour la Côte d'Ivoire du coup. Donc la finale, elle ne sera pas sur ma chaîne, je la commente, mais je la ferai sur la chaîne YouTube de Winamax avec Momo Eni. On va supporter tous les deux la même équipe, c'est effrayant. Mais en tout cas les gars, je vous remercie tous, vraiment je vous remercie tous pour cette aventure extraordinaire pendant cette Coupe d'Afrique. Ça n'a pas été simple parce qu'il y avait beaucoup de matchs, mais vous avez répondu présent. J'espère que j'ai réussi à faire honneur à toutes les nations représentées, que j'ai réussi à vous faire vivre les matchs de la meilleure des manières. J'espère que j'ai pas manqué de respect à certaines nations. Vous vous êtes pas senti offensé par rapport à certaines nations, même si mon cœur pouvait pencher pour d'autres nations à certains moments et c'est normal. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie à tous les gars parce que j'ai vécu une aventure extraordinaire. C'est l'une des plus belles Coupes d'Afrique que j'ai pu vivre. Et même si nos parcours se sont arrêtés vite pour les pays maghrébins, mais vraiment c'est l'une des plus belles Coupes d'Afrique que j'ai pu vivre. Donc je vous en remercie, ça restera dans ma tête à jamais les gars. Ça restera dans ma tête gravé à jamais, c'était vraiment une Coupe d'Afrique extraordinaire. Maintenant on va fermer le livre, parce que demain on sera là pour le tirage au sort de la Coupe de France. Samedi on fera Girona Real Madrid plus Lille Paris Saint-Germain le soir. Dimanche je ferai le match de la finale de la CAN sur Winamax, mais mardi, mercredi c'est déjà le retour de la Ligue des Champions. Donc le livre se ferme là, sur ma chaîne en tout cas, mais la finale, n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube de Winamax, je la commenterai avec Momo Eni. Mais sur ma chaîne en tout cas, le livre de la CAN, ça se termine là, se ferme là. C'était vraiment un grand plaisir de vivre cette compétition avec vous. Merci à vous de me l'avoir rendu aussi grandement les gars. Tous vos messages de soutien, vos messages de paix, vos messages de bienveillance envers moi. Et là je vais m'adresser à tous les pays qui ont été représentés les gars, les Ivoiriens, les Marocains, les Tunisiens, bref, mon pays après c'est normal, mais les gars, tout le monde, les mecs, vraiment, tous les pays représentés, les Congolais, tout ça, toutes les personnes bienveillantes qui m'ont invité à venir dans leur pays, etc., avec les matchs qu'on a commentés,
et les moments qu'on a vécu. Merci à tous. Merci à tous les Congolais, soyez fiers de vous. Je le répète encore une fois les gars, mais gros soutien au Congo et gros soutien aux Congolais pour le génocide qu'ils sont en train de vivre actuellement dans leur pays. Il est temps d'en parler, il est temps que le silence cesse. Il est temps que le silence cesse, donc grosse force aux Congolais. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager les gars tout ce qui se passe au Congo, même sans images, sans vidéo pour pas heurter. Mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire, n'hésitez pas à en parler également pour que le monde sache, parce que le monde doit savoir et il y en a marre que personne n'en parle, il y en a marre que tout reste sous silence. En tout cas, merci à vous. Je vais conclure cette CAN sur ma chaîne par la phrase que m'avait dit du coup mon ancien collègue sénégalais et qui m'avait dit quand on avait gagné la finale de la CAN contre le Sénégal et que je lui avais dit ça va pas trop triste et qui m'avait dit c'est pas grave mon frère, c'est l'Afrique qui gagne. Et ben c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui va gagner, c'est l'Afrique qui remporte cette CAN et les gars, c'est l'Afrique qui a gagné. C'est l'Afrique qui a gagné parce que cette CAN a été extraordinaire, cette Coupe d'Afrique a été magnifique. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de matchs incroyables, beaucoup de matchs intenses. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ça, à la Coupe d'Afrique qui d'habitude ne s'intéresse pas au football africain. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous, merci à tous. Vous avez vraiment été extraordinaires. Et je vous en remercie, on va revivre une belle aventure Inch'Allah si on a encore envie d'ici là pour l'Euro. Là on va se remettre dans le quotidien des championnats tranquillement, des championnats, de la Ligue des Champions, tout ça. Mais voilà, c'est la page, le livre qui se termine pour la Coupe d'Afrique. On sera là pour la prochaine si on est encore en vie Inch'Allah, on sera là pour l'Euro cet été. Mais je vous remercie tous les gars, merci à tous pour votre gentillesse, pour votre bienveillance et les anciens pour votre soutien comme d'habitude. Vous avez été extraordinaires les gars, vraiment vous avez été extraordinaires. Merci à tous, vraiment du fond du cœur. Et donc on se revoit pour la finale sur la chaîne YouTube de Winamax avec Momo Eni tranquillement pour Côte d'Ivoire-Nigeria et j'espère que les frères ivoiriens, vous allez aller la chercher. Là je m'en cache pas, désolé pour les Nigérians, mais je serai de tout cœur derrière la Côte d'Ivoire. Et merci Niros pour le don de 6-0. Félicitations mon frère pour le travail que tu fais pendant la meilleure CAN de l'histoire. T'as géré deux fois et félicitations encore pour le million. Un grand merci à toi mon frère. Un grand merci à toi et merci Darkzor pour le 4e mois de sub. Merci à toi Yanis de dire que je t'ai connu à 300k. Maintenant t'as passé le million incroyable. Change pas Yanis, t'es le gout. Merci encore pour cette CAN. Merci à vous les gars, vraiment merci à vous. Franchement merci à vous parce que la vivre avec vous ça a été incroyable. Merci Maligno pour le don de 2-0. Force au Congo et au Sénégal. Oui, Sénégal, Palestine. Merci beaucoup Maligno pour le don de 2-0. Merci beaucoup. Et ouais, soutien également au Sénégal et au peuple sénégalais les gars pour ce qui se passe là. Pour ce qui se passe avec un mandat terminé, un mandat qui veut repartir apparemment. Alors que ça n'a pas le droit, bref, des situations un peu délicates un peu partout. Et merci Mehdi pour le don de 2,50€. Zerouki au PSG en cas de départ d'Mbappé. Zerouki, t'es inquiétant Mehdi. T'es inquiétant. Et merci Romuald pour le don de 5€. Merci beaucoup. Bon en tout cas les gars, merci à vous. Oui, demain je fais les tirages, le live est pas encore programmé, mais je le ferai les gars, du coup je le ferai, ouais. On fera du coup les tirages de Coupe de France demain. Je pense que je vais sortir un petit débrief tranquillement. Je vais sortir un petit débrief tranquillement du match entre le PSG et Brest, parce que dans tous les cas je l'ai regardé. Mais demain, ouais, tirage de Coupe de France les gars. Tirage de Coupe de France. Les gars, vous êtes sûrs c'est à 20h? Vous êtes sûrs c'est à 20h les gars? C'est à 20h, certain. Ouais mais ça va, c'est le tirage, c'est refif en vrai. Non c'est refif, la vérité c'est refif à mort. En vrai c'est carré. Y'a rien. Hein? Ouais. De toute façon je mange pas maintenant. J'ai archi pas faim là. Hein? Je t'avais dit quoi pour les pilotes? Tu m'as dit quoi? C'est pas grave, c'est pas perdu. Ah t'en voulais pas? Pourquoi tu me dis toi? Mais t'es bizarre toi, c'est toi qui m'as dit que tu les voulais. Ah bah c'est pas grave, non mais moi je ferai chauffer après, c'est pas grave. Bonsoir madame, ça te dit. Elle a dit bonsoir. Elle a dit moi aussi je veux le million d'abonnés. Elle a dit moi aussi je veux le million d'abonnés. Elle a dit moi aussi je veux le million les gars. Inquiétant. Inquiétant les mecs. Mes salutations madame, vous êtes des bons les gars, la vérité, vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Lâche ça madame Yanis. Les comptes TikTok Rediff, merci aussi. Ils te donnent de la force. Ouais, un peu tout de toute façon, un peu tout bien sûr. Un peu tout, tranquillement.
Tu mérites ce trophée, longue vie à ta carrière YouTube et respect, merci à toi Dylone. Bon, en tout cas les mecs, vraiment merci à vous. Merci à vous. C'était agréable de vivre ces moments-là. Maintenant, retour sur les choses, on va dire, plus normales avec le tirage. Les gars, attendez, vous êtes sûr, c'est 20h, j'avais oublié. Vous êtes sûr, c'est 20h. C'est pas 19, 19h30 ou je sais pas quoi. 20h. Oui, sûr. Ok. Vas-y, bah demain, je live vers 19, les gars. 19, je pense. Live à 19h tranquillement, alors. Live à 19h tranquillement, on pourra parler un petit peu de tout ça. Non, sur France 3, l'a dit. Sur France, ok. Ça sera sur France 3, peu importe, de toute façon. En tout cas, on le fera. On le fera tranquillement, comme ça, on le vivra ensemble tranquillement, et c'est carré. Donc voilà, bah, le programme de la semaine, les mecs, comme ça, vous le savez. On va regarder ça. Du coup, programme de la semaine, bah, demain, on fait le tirage de Coupe de France. Vendredi, je live pas. Samedi, je commande Girona Real Madrid plus PSG Lens. On fera les deux. J'aurai un petit peu moins d'avant-match pour Lille PSG. Mais il y a le gros choc, donc je suis obligé. Dimanche, bah, je commente la finale de la CAN sur Paris, du coup, sur Winamax avec le bon vieux Momo Eni. Lundi, je live pas. Et mardi, on commentera la Ligue des Champions. Je crois que c'est le Real. Hein. Je crois que c'est le Real. Donc on fera le multiplex Real plus City. Et bah, du coup, forcément, mercredi, bah, le PSG. Le PSG uniquement. Le PSG uniquement en mode détente. Donc voilà, comme ça vous savez les gars. Comme ça vous savez, bravo à la Côte d'Ivoire. Tirage de Ligue des Nations, je le ferai pas frérot. Je le ferai pas le tirage de Ligue des Nations. Je ferai le tirage Coupe de France. Grande limite, mais c'est tout. Bon allez, en tout cas, merci à tous les gars. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous d'avoir été présents. Vous avez été extraordinaires. Je vous donne rendez-vous ben, pour le débrief d'ici quelques minutes les gars. Je vais peut-être... ouais, allez, on va dire une petite demi-heure, allez, une demi-heure à peu près, le temps de faire le débrief, le temps que je passe aux toilettes rapidement, tout ça. Donc le débrief va sortir de PSG Brest, et demain, live Coupe de France, tranquillement, donc on se revoit demain vers 19h. Le live, je vais le programmer sûrement demain matin, les gars, vers 9h, comme ça, tu vois, 8h, 9h, un truc comme ça. 9h, 9h30, il arrivera à ce moment-là. Ouais, Dylan, faut pas que j'oublie, essaye de me le rappeler. Allez, prenez soin de vous, et rendez-vous... Rendez-vous très rapidement pour le débrief et demain pour le prochain live tirage Coupe de France. Et n'oubliez pas pour la finale de la CAN avec Momo Eni, ça va être drôle. Allez, non, c'est pas prévu les gars, c'est pas prévu. Allez, à demain, bon courage à ceux qui ont école demain, bon courage à ceux qui taffent demain. Prenez soin de vous, force à la team chômeur. Vous êtes les gars. Attends. Vous êtes les gars. Prenez soin de vous. Merci à tous pour cette CAN extraordinaire. Merci à tous pour votre soutien, comme d'habitude au quotidien. Et rendez-vous tout de suite pour le débrief et demain pour le tirage de Coupe de France. Bye bye, les gars. Let's play football.